Crime 24. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Barry, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes le vendredi 31 mars. Le plaisir pour nous de vous retrouver au compte de cette émission Mirador à la une. Cancan, l'heure à la traque contre les meneurs et d'éventuels commanditaires. Des récentes émeutes contre le manque de courant dans la deuxième ville du pays. On apprend que le leader de la contestation, la personne de Ousmane Mbia Kaba, s'est fait harponner hier soir à sa sortie d'une émission de radio. Des agents des forces de sécurité venus à bord de deux pick-up auraient procédé à son arrestation sur demande du procureur de la République près le TPI de Cancan. Auparavant, d'autres jeunes soupçonnés d'être impliqués dans les manifestations nocturnes qui ont secoué la ville de Cancan la semaine dernière et qui ont même entraîné l'incendie d'une effigie géante du président de la transition sur place, avait également été mise aux arrêts. Pendant ce temps, la tension couvre à la baie, autre grande ville de l'intérieur du pays, confrontée ces derniers temps à une forte dégradation de la desserte en courant électrique. Ces jeunes qui viennent d'être mis aux arrêts, risquent-ils gros? C'est la question sur la table de Mirador ce matin. Faut-il craindre un effet domino? Nous partirons du côté de Cancan. Cette autre question sur la table, où en est le Premier ministre Dr Bernard Goumou dans le processus de traitement des préalables urgents concocté à sa demande par les forces vives des Guinées et remis aux chefs religieux le vendredi dernier 24 mars. Rappelez que parmi les actions urgentes, les forces vives des Guinées ont consigné dans leur mémo, entre autres, nous citons la libération des détenus sociopolitiques et la fin du harcèlement judiciaire des responsables des partis politiques opposés à la conduite de la transition. Et voilà une semaine que ces documents ont été remis au collège des chefs religieux, lesquels s'efforcent depuis un mois de rapprocher les positions radicales des autorités de la transition et des forces vives de Guinée. Des questions en soutien à ce libellé. Peut-on estimer que le Premier ministre tarde à répondre aux mémo des forces vives de Guinée? La pause politique imposée par le Ramadan est-elle véritablement mise à profit pour construire une véritable désescalade en Guinée? Mirador et ses chroniqueurs relancent ce débat. J'ai dit à Alpha Condé, tu nous as gazé alors que nous n'étions pas en train de manifester. Mais je te garantis une chose, tu sortiras des Serou Touré sous les balles, a confié mercredi à la Serou Souma, le contigui de la Basse-Guinée, à notre confrère Africa-Guinée, en marge de sa présentation de condoléances suite au décès de l'âge Ousmane Sanloa Baldé, qui, il faut le rappeler, rejoindra d'ailleurs sa dernière demeure ce vendredi dans son village d'origine Fatako, dans la préfecture de Tougué. Et des propos en forme d'imprécation qui semblent s'être matérialisés à travers la chute d'Alpha Condé le 5 septembre 2021, emporté par un coup d'État orchestré par le groupement des forces spéciales, à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya, qui depuis est aux commandes de la Guinée. Que sait-on de la véracité de ses propos? Et là, Serou Souma est-il bien placé pour jeter ainsi l'ex-président Alpha Condé en pâture? Nous donnons la parole en exclusivité ce vendredi à Moualim Touré, un proche donc de l'ancien président. Il est également de l'établissement du RPG Arc-en-Ciel. Il sera au téléphone d'un Mirador dès 9h. Malgré le rejet des exceptions de nullité soulevées en sa faveur, Oyegui Lavogui a pris le contre-pied du docteur Mohamed Diané en acceptant d'affronter les charges articulées contre lui devant la CRIEF. Avant-hier mercredi, l'ancien ministre d'État sous Alpha Condé s'est défendu sur l'affaire des 50 millions de dollars américains qui étaient destinés à la relance de l'ex-Sotelgui. Il a affirmé que cet argent a été convenablement utilisé tout en faisant état de problèmes de gouvernance ayant empêché cette relance. Mais sous le feu roulant de questions, Oyegui Lavogui a été amené à expliquer les raisons qui l'avaient amené à refuser de céder son poste de ministre des Transports à Aboubacar Silla, à l'époque porte-parole de l'opposition dite républicaine. C'est à ma grande surprise que celui qui nous a combattu a été tiré et nommé dans le gouvernement, a-t-il ressassé? Quelle est la ligne de défense de Oyegui Lavogui sur le dossier Sotelgui? Au-delà, d'autres charges pèsent-elles sur la tête de cet ancien dignitaire du régime déchu? Des questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Bienvenue encore à tous. Merci de vous joindre à nous. heures passées sous nos fourches cordées, perché sur notre mirador en ligne de mire concussionnaire. Des prédateurs et prévaricateurs passés sous nos fourches cordées. Debout, oh debout, rugit de la démocratie. Amadou Tidiane, responsable communication, relations publiques et marketing. Bienvenue à Mouna Group Technologies. Mirador, tour de chauve. Nos chroniqueurs se débattent. Encore une fois, merci de votre fidélité, merci de nous rejoindre. Nous sommes ensemble jusqu'au port de 11h. Vous êtes sous la crête de l'investigation journalistique en Guinée sur la principale tour d'observation de la gestion publique en République de Guinée. Vous êtes connectés à Mirador sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Si vous êtes à l'étranger, en province, vous êtes sur nos médias partenaires. Toute l'équipe vous accueille et vous accompagne jusqu'au port de 11h. Cabinet Fofana, bonjour, bienvenue. Bonjour à Boakar et bonjour à tous. Meilleure santé à toi, meilleur merci. Retour. Bon merci, retour. Cher ami. Merci. Diarré, bonjour. Bonjour à Boakar, bonjour à toute ma Guinée, bonjour à la diaspora dans son ensemble. Merci. Et prompt rétablissement. Merci, on est vraiment. Quand même très content. Merci vraiment, Diarré. L'enfant du carré magique, bonjour. Bonjour l'influenceur, voilà, bienvenue parmi nous. Merci. Bonjour à Nyonso Mouridou, bonjour à Kouankan. Je dis bonjour à mes parents de Kouni et toute la région de Tougué qui donc accueille et va enterrer ouais. Le feu El Hadj Ousmane Baldé, ouais. Donc de Fatako. Bien et entendu. Puis j'ai dit bonjour à Kerouané, plus précisément à Komodou. Ouais. Mais bonjour aussi à toutes les victimes des abeilles qui piquent. Bien. Et bonjour aux abeilles. Voilà, ça recommence. Bassekou, bonjour. Bonjour Diongassi. Bonjour. Qu'est-ce qui se fait rire, mon cher. Bonjour. Bienvenue. Mam Fable Toumba. Oh là là, franchement, non, mais ce matin. Bah, il ne manquait que ça, mon cher. Oui, parce que tu aimes ça. Non, parce que tu es bien habillé ce matin. Tu es habillé mais comme la première fois, mais franchement, arrête ça. Comparé, voilà, dans le box des accusés. C'est dans le sang des Wassolonis, ça. Des Wassoloka. Oui, il y a cette alerte à Boakar que je vais donner rapidement. Laquelle? Il s'agit d'escroquerie au sein de l'armée. C'est un faux général, oui, ou un faux colonel qui demande de l'argent à des citoyens pour le recrutement. Bien. Demain, on va donner évidemment d'informations voilà, sur ce dossier. Dans Mirador Mix, pourquoi absolument. Pas. Bonjour Sekou Diatia, bienvenue. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Bonjour monsieur Talibé Barry, l'enfant de Koumi. Bonjour le juste, bonjour à tous. Bien. Bon retour. Merci. Prompt établissement. Bon, jusqu'à 48 heures. Voilà. Prompt établissement ramadanesque. Il n'y avait pas le feu, au lac. Ramadanesque. Qu'est-ce que tu viens insinuer, mon cher? Allez-y savoir. Et il a dit tout à l'heure, avant d'introduire Sekou Diatia, c'est jour d'inhumation de feu El Hadj Ousmane Baldé, connu sous le pseudonyme de, sous le sobriquet de Sans-Loi. Grand moment de tristesse attendu ce vendredi du côté de Fatako et dans toute la région de du Fouta et au-delà dans toute la Guinée. D'ores et déjà, hier, le colonel, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya et tout son gouvernement s'étaient massés à la mosquée Faisal pour rendre un dernier hommage à cet illustre, à ce digne fils de la Guinée. Oui, vous le savez, la nouvelle du décès de El Hadj Ousmane Baldé Fatako est tombé comme un coup de massue sur le peuple de Guinée, ouais. Vu le rang qu'il occupait et l'utilité qui a été la sienne à l'ensemble du peuple de Guinée, à l'ensemble de ses compatriotes. Donc pendant plusieurs jours, les témoignages ont été justement faits à la fois dans les médias mais aussi au domicile de Elhadj Fatako, où beaucoup de ses compatriotes se sont pressés pour rendre hommage et reconnaître à ce monsieur tout ce qu'il a apporté en termes d'inspiration comme modèle de réussite dans la société guinéenne, puisque vous le savez, il fait partie des hommes d'affaires guinéens les plus fortunés, mais aussi il s'est mis au service d'emblée de la société guinéenne, se préoccupant de la situation de ses compatriotes. Et on met par exemple à son actif une trentaine de mosquées construites à travers le pays, dont ce gigantesque centre islamique dans son village à Fatako. Mais également, on a vu hier justement cette image du président de la transition et de plusieurs de ses collaborateurs, dont des membres du gouvernement et d'autres hauts cadres, qui ont fait corps avec le peuple de Guinée à la mosquée Faïsal lors d'une prière mortuaire qui lui a été dédiée, et après une procession funèbre de plusieurs kilomètres de véhicules se sont, en tout cas, ébranlés pour l'intérieur du pays, faisant étape par exemple à Mamou, où il y a eu de la pluie, fait inédit d'ailleurs, en plein mois de mars. En plein mois de mars. Donc son corps est arrivé, j'apprenais ce matin sur Film Guinée, à travers AOB, notre envoyé spécial aux environs de 0h. Et donc il est prévu qu'il soit inhumé après la prière, de vendredi. Paix à l'âme de Elhadj Fatako. Bien, un mot là-dessus. Un petit mot à Bakar. Vous savez, la dernière fois je disais que sans loi, c'était un socle social pour beaucoup de gens, mais aussi pour même la société. Évidemment, il l'était parce que on a vu son parcours qui a été ressorti et remis à la surface récemment. C'est quelqu'un qui... depuis le régime d'Ahmed Sékou Touré jusque maintenant était dans l'humanisme, était dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui la protection sociale, parce que depuis cette époque-là, avec un autre compatriote dont les images sont sur un ancien journal de l'époque, on construit des centres de santé, des mosquées dans la région, des écoles pour les fils de la contrée. Et jusqu'aujourd'hui, il a continué jusqu'à cette grande mosquée qui, de 6000, près de 6000 fidèles à Fatako. Donc c'est quelqu'un dont l'humanisme a traversé plus de 2 à 3 décennies jusqu'aujourd'hui. Je pense que l'hommage qui lui a été rendu hier était véritablement à la hauteur de la dimension de l'homme, de la disponibilité qu'il a eu pour le pays et de son humanisme. Bien entendu, d'ici jusqu'à Fatako, en passant par Mamou, vous avez la mobilisation à Mamou hier, c'était impressionnant. Je pense que on ne peut que souhaiter cela comme une fin, en fait. Bien. Oui, Bassiko. C'est aussi une autorité... Je prie d'être bref, s'il te plaît, mon cher. Bien. C'est une autorité morale qui a aussi la parole très rare et qui a beaucoup œuvré pour anticiper ou taire les tensions. Il a beaucoup œuvré pour la promotion de la paix et de l'unité nationale. Et il a été... parfois un peu mal compris sur certaines positions, mais il a beaucoup œuvré auprès des gouvernements précédents dans le cadre notamment du raffermissement des liens sociaux. Des liens sociaux, mais c'est quelqu'un aussi qui a de la personnalité et qui a tapé du poing sur la table quand c'est nécessaire. Donc je pense que aujourd'hui, ses prédécesseurs aujourd'hui doivent continuer à porter haut, comment on appelle, ses successeurs. Donc l'héritage qu'il a laissé, à continuer à travailler davantage pour la promotion. On a lu un peu les témoignages, en tout cas les confidences de ses enfants. Voilà, Elhadj sans loi, voilà, qui s'en va, donc en laissant un grand héritage au peuple de Guinée, à sa famille, mais aussi à l'Afrique. Voilà, parce que c'est un digne fils de l'Afrique qui s'en va, paix à son âme. Dormez en paix, grand, voilà, grand illustre homme, tout simplement. Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. procès des événements du 28 septembre, on en vient à notre récap de la semaine. Après Baourou la semaine dernière, la semaine donc qui s'achève, deux parties civiles ont été entendues au cours des 3 derniers jours de ce procès historique. Il s'agit d'abord de Yaye Fatou Barry Sékou Diatta. Oui, Aboubacar, Yaye Fatou Barry est née en 1969 à Fria. Elle dit s'être constituée partie civile dans ce dossier pour avoir été victime des causes et blessures au stade du 28 septembre en 2009. Ce jour, a-t-elle rappelé, c'est à 6 h du matin qu'elle a bougé de chez elle pour le domicile de son leader François Luceni Fall à Taouya Corniche. En compagnie donc du président du parti FUDEC, elle s'est rendue au stade. Yaye Fatou a témoigné qu'au moment où les discours se tenaient, des agents des forces de défense et de sécurité y ont fait éruption. Elle dit avoir subi alors toute sorte de bastonnade. Alors elle a eu la vie sauve grâce à un jeune mécanicien de son quartier qui a pu la tirer des griffes de ses agresseurs qui tentaient de la conduire dans la salle de basket du stade, probablement pour la violer selon elle. Yaye Fatou Barry Sékou Diatta, qui dit ignorer l'identité de ses agresseurs, a expliqué la péripétie qu'elle a connue dans le cadre de son hospitalisation après avoir été blessée. Suite à la bastonnade dont elle dit avoir été victime, Yaye Fatou Barry est tombée malade et dans le cadre de son hospitalisation, elle est passée à l'hôpital Donka où elle a refusé toute prise en charge à cause des agissements du colonel Chérif Diaby, ex-ministre de la Santé, qui était très déchaîné. Selon elle, malmenait des victimes. Elle est aussi passée à la clinique de l'ambassade de France avant d'être évacuée sur Dakar. Elle n'est toujours pas guérie, elle ne voit plus bien et n'est plus apte à conduire la voiture. À cause de sa mésaventure, sa maman qui habitait chez elle est décédée prématurément, a relaté Yaye Fatou Barry en pleurs à la barre plutôt. Elle dit avoir porté plainte contre tous les membres du CNDD et à titre de dommages et intérêts, elle réclame 500 000 €. Bien, Yaye Fatou, donc, qui réclame 500 000 € à titre de dommages et intérêts. Mardi, après son interrogatoire, Yaye Fatou Barry a été succédé à la barre par François Luceni Fall Sékou Diatta. L'ancien Premier ministre est également partie civile dans ce dossier, mais avant de retracer le film des événements du 28 septembre, il a révélé qu'il attendait impatiemment ce procès depuis 13 années. Cet ancien acteur politique a aussi précisé qu'il ne comparait pas pour accuser certains ni pour en disculper d'autres. Il a informé qu'il témoigne par devoir vis-à-vis des victimes qui ont perdu la vie ou qui ont été violées au stade. Pour amorcer le vif du sujet, Luceni Fall a rappelé que le meeting du 28 septembre 2009 a été organisé par les forces vives nationales pour s'opposer à la candidature des membres du CNDD à l'élection présidentielle. Dans la matinée du 28 septembre, il dit avoir reçu des militants de son parti à son domicile à Taouya Corniche. De là a expliqué l'ancien ministre des Affaires étrangères, il a rejoint Sidia Touré. Les deux cheminent ensemble, chacun dans son véhicule pour rallier le domicile de Jean-Marie Doré à Donka. C'est ainsi que les leaders, excepté Jean-Marie Doré qui devait recevoir une délégation des religieux, prennent la route du stade à pied au niveau de la Fondisse. Ils ont croisé le colonel Moussa Keboro Kamara et son équipe. Il y a eu des disputes autour de la nécessité du report de la manifestation. Entre-temps, les manifestants venus en grand nombre, Keboro et ses hommes ont cédé le passage aux leaders. À l'intérieur du stade Diatta, c'est une atmosphère bon enfant qui a subitement tourné au désastre. Porté en triomphe dans l'enceinte sportive et ovationné par les manifestants, les leaders ont à peine prononcé quelques phrases au titre de leur déclaration de rejet d'une éventuelle candidature des membres du CNDD. Soudain, a expliqué l'ancien diplomate, ils ont entendu des crépitements d'armes à l'extérieur suivis d'une nuée de gaz lacrymogène qui a envahi le stade. Le stade était inondé de gaz lacrymogène. Nous étions à la tribune, mais de là où nous étions, nous n'arrivions plus à respirer. C'était ma première expérience avec l'odeur ocre sulfureuse du gaz lacrymogène. C'est-il souvenu à la barre. Puis les militaires font leur entrée et commence à tirer dans le lot. François Luceni Fall dit avoir reconnu le commandant Aboubacar Sidiki Diakité du Toumba. Vous ne pouvez pas imaginer une foule dans un endroit fermé, les portails tenus par les militaires avec des murs hauts. Des jeunes escaladaient les murs et tombaient. J'ai vu des jeunes tomber sur la pelouse quand des militaires tiraient sur eux, a témoigné le diplomate d'une voix émouvante. Pour avoir vu beaucoup de jeunes tomber sous les balles et des femmes violées, l'ancien Premier ministre estime que le nombre officiel des victimes est en deçà de la réalité par rapport à l'existence des forces commune. Luceni Fall dit avoir appris qu'il en existait au camp Alpha Yaya Diallo. Il a confié également qu'au lendemain du 28 septembre 2009, les domiciles des leaders des forces vives de la nation comme Selouda Diallo, Jean-Marie Doré, Sidia Touré ont été pillés par les militaires. Toujours voilà, sur le passage de François Luceni Fall à la barre, Luceni Fall est aussi revenu à Sékou Diatta sur les agressions dont les leaders ont été particulièrement victimes au stade. Selon François Luceni Fall, lorsque certains agents tiraient sur la foule, d'autres s'en s'en prenait aux leaders politiques au niveau même de la tribune. C'est en ce moment que nous avons vu le commandant Toumba monter les escaliers. Arrivé à notre niveau, il a dit où sont les leaders. Dès que nous nous sommes levés, les militaires qui étaient derrière lui, que je considère comme étant le groupe de Marcel, se sont emparés de nous, a-t-il précisé. C'est là qu'ils reçoivent les premiers coups violents, comme lui Sidi en a reçu sur sa tête. C'est le sauve qui peut pour descendre de la tribune, tout en essayant à leur trousse sur la pelouse. Il dit avoir vu Seloudal Diallo entre les mains d'au moins 7 militaires en train de l'étrangler, littéralement, affirme le président de FIDEC. François Loussénifal a confirmé que parmi les leaders agressés, certains ont été sauvés par le commandant Aboubacar Sidiki Diakité dit Toumba. Pendant que les agressions se poursuivaient, Toumba s'est interposé. Difficilement, il nous a extrait et nous a demandé de le suivre. C'est ainsi que nous sommes sortis de l'intérieur du terrain de football. Nous l'avons suivi, mais nos assaillants nous poursuivaient toujours. Arrivé au niveau du palais des sports, on a vu des militaires en train de déshabiller des femmes, en train de les battre, a-t-il témoigné. Ils ont ensuite continué jusqu'à l'esplanade du stade où ils ont aperçu Jean-Marie Doré, le porte-parole des forces vives, défait de son costume et de sa cravate, battu à sang. Toumba les a embarqués dans son véhicule, lui, Jean-Marie Doré, Mouktar Diallo et Sidi Touré. Lorsqu'il nous a embarqués dans son véhicule, ça doit être une Jeep. Il est reparti en courant vers le stade, nous laissant dans le véhicule. Pendant ce temps, Marcel et ses soldats tournaient autour du véhicule. Ils proféraient des menaces. À un certain moment, il a donné un coup violent de matraque à Sidi Touré. C'était en plein visage. Sidi lui a dit « Mais qu'est-ce que je t'ai fait ?» Il a répondu que nous allons vous tuer tous, a relaté l'ancien secrétaire général à la présidence de la République sous Alpha Condé. Revenu vers eux, tout a démarré le véhicule pour les amener à vive allure à Ambroise Paré. À cette clinique, ils ont été accueillis par des médecins. C'est à ce moment qu'ils ont vu Marcel surgir en présence de Kebro, a confié Fall au tribunal. Et devant la clinique Ambroise Paré, Sékou Diatia, il y a eu des altercations entre Marcel Guilavogui et Toumba Diakité au sujet de l'hospitalisation des leaders blessés, a témoigné l'ancien diplomate. François Loussénifal a expliqué que c'est à la clinique Ambroise Paré que lui et ses compagnons ont su que c'est Marcel qui les battait à l'intérieur du stade parce que Toumba l'appelait par son nom. Ils ont eu une longue discussion. Après, Toumba l'a tiré vers un côté. Il parlait tout en marchant. Marcel tenait à ce qu'on nous amène au Kalfa Yaya et Toumba tenait à ce qu'on soit à la clinique. Toumba n'a pas réussi à le contenir et il est venu vers nous. Le commandant Keboro aussi a essayé timidement d'intervenir auprès de Marcel. Ça n'a pas marché, dit-il. Par la suite, accable-t-il, Marcel a sorti une grenade pour menacer de faire exploser la clinique si les blessés étaient reçus dans cette structure hospitalière. À cause de cette menace, Toumba les a réembarqués pour la ville, d'abord à l'état-major de la gendarmerie, puis à la clinique Pasteur où ils ont été rejoints dans la soirée par Seloudal Diallo qui avait des côtes cassées, a informé l'ancien premier ministre. Plus tard, a confié Loussénifal, lui, Mouktar Diallo, Sidi Touré qui étaient légèrement blessés, ont rejoint leur domicile respectif en laissant Seloudal Diallo et Jean-Marie Doré à la clinique. Sur le refus d'Alpha Condé d'organiser le procès des événements du 28 septembre sous son magistère plutôt, François Loussénifal confirme qu'il n'a jamais senti de volonté politique chez l'homme. Pourquoi Alpha Condé a refusé d'organiser le procès des événements du 28 septembre? La question a été posée ce mercredi 29 mars à François Loussénifal à la barre. S'il me l'apprenait, ce serait bien, a-t-il répondu. Est-ce que vous savez que Toumba a déclaré sur les médias le 11 juin 2016 qu'Alpha Condé lui doit 9 milliards de francs guinéens par rapport au rôle qu'il a joué dans les événements du 28 septembre? A de nouveau interrogé Maître Lazare Guillemot, un des avocats de la défense. Toumba est entre les mains de la justice qu'il explique. Moi, je ne suis pas au courant de ça, a réagi l'ancien Premier ministre. Pour l'avocat, cette créance explique le refus manifeste du gouvernement auquel Fall a appartenu sous Alpha Condé d'organiser le procès des événements du 28 septembre. J'ai été dans ce gouvernement et j'ai été proche d'Alpha Condé. Je n'ai jamais senti sa volonté politique d'organiser ce procès. Nous avions d'autres compréhensions de cette question, mais ce n'est pas l'histoire de complot. Je suis sûr que si le 5 septembre n'était pas arrivé, ce procès ne se serait pas tenu, à finalement lâché l'ancien collaborateur du président déchu. L'interrogatoire de Fall se poursuivra le 3 mars prochain à Boubacar Diallo. Le 3 avril prochain plutôt. Le 3 avril. Bien. Sékou Diatea, voilà le talentueux. Sincèrement, voilà, je m'incline devant ton talent. Formidable. Et courage, mon garçon, franchement. Et c'est pas un faux prix qui peut t'enlever ce talent. Merci. Félicitations. Mais alors, continue. Fim FM, c'est là. la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Bien, on va se faire le devoir de prendre les premières réactions qui sont tombées et qui ont été collectées par nos équipes avec Isiaga du Grain Film FM de Matoto Déviation en 2 minutes chrono. Bonjour à tous les chroniqueurs. Le Grain Film FM de Matoto Déviation souhaite prendre l'établissement à notre Boeing national, le magnifique Deja Boubacar Diallo. Merci. Nous présentons toutes nos condoléances à la famille biologique du doyen sans loi et à toute la Guinée, écrit Isiaga du Grain Film FM de Matoto Déviation. Cet autre message qui nous est transmis par notre Amazon Arissa Tousso. Bonjour Mirador, bon retour à vous à Boubacar. L'autorité de l'État doit être restaurée. Les gens doivent savoir que ce pays est géré. Ce qui s'est passé à Kankam n'est pas une manifestation contre le manque d'électricité. C'est une manifestation de jeunes manipulés contre le départ d'Alpha Condé. Allez, cet autre depuis le Libéria, c'est Barry Abdoulaye Fougoumba qui nous écrit ce matin. Bonjour Mirador, welcome back le guide médiatique guinéen, M. Boubacar Diallo, et prend établissement à toi, tu nous avais manqué. Sache que nous, auditeurs de cette émission, nous sommes toujours prêts à mener le combat avec la team Barracuda pour l'instauration d'une véritable démocratie dans notre pays. Même pas peur. Merci. Allez, deux dernières réactions. DTS, bonjour. Titi, bonjour à tous. J'ai pris Dieu de pardonner Elhadj Ousmane Baldé et de lui accorder son paradis éternel, car vu son parcours et son attachement à la valeur humaine, y compris même ceux qui n'étaient pas forcément de Tougué, on comprend pourquoi il a réussi sa vie. Dors en paix, c'est un père de la nation. Allez, le dernier c'est Tiane. Un Diallo n'a jamais souhaité le ramadan, donc rien ne m'étonne quand Aboubacar tombe malade à quelques jours du début du mois de pénitence. Courage Titi. Ah, merci Tiane, c'est voilà, c'est sympathique. La suite, Tiane. Mirador, la confiance dans les voix. Mirador, tour de chauve. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Garay, on part du côté des Kankan où on apprend que le meneur des manifestations nocturnes de la semaine dernière a été mis aux arrêts hier soir. Oui, bien sûr, il s'agit de Ousmane Biakaba, jeune activiste très réputé dans la région. Il est même perçu comme étant la figure de proue de ces manifestations anti-délestage survenu cette semaine même à Kankan. Ouais. Il a été arrêté alors qu'il sortait d'une émission à grande écoute du côté de la radio Espace Kankan, oui, où il s'exprimait même sur cette situation qui a fait la une de l'actualité cette semaine. Ouais. Alors il a été arrêté par des agents de la gendarmerie et de la police sous ordre du procureur de la République près le tribunal de première instance de Kankan, en l'occurrence Daouda Diomandé, qui ouais, aurait quand même décerné un mandat d'arrêt contre lui. Ouais. Alors il est reproché à Ousmane Biakaba d'être l'instigateur du mouvement anti-délestage nocturne survenu cette semaine même à Kankan, ouais, chose que lui-même il a nié. Pour lui, ce qui s'est passé je crois lundi nuit, c'était quand même un acte pas programmé, mais un acte spontané des ouais, jeunes qui se sont quand même revoltés. Celui qui était intervenu chez nous ici? Non, c'était pas lui. C'était un certain Condé qui est intervenu, qui ouais, disait d'ailleurs qu'il n'était pas à la base de cette manifestation. Ouais, qu'il regrettait la tournure que prenaient les événements. Tout à fait. Et vous savez quand même qu'après ce mouvement malheureux du côté de Kankan, là où on a vu des jeunes s'attaquer à l'effigie du président ouais, et s'attaquer même à la famille, ouais, à la famille du président. Bien sûr. À la famille du président. Bien sûr. Non, ça, je ne savais pas. Bien sûr, la famille, selon nos informations, du côté de la ville de Kankan a été visée par ces manifestants. Et ouais, donc, vous savez... Là, ils sont allés très loin, là. Bien sûr. Trop loin même, j'ai envie de dire. Ouais. Oui, bien sûr. Et ouais, après, le gouverneur de la ville avait quand même mis en branle tout l'arsenal judiciaire au ouais, gouvernorat pour justement, si on s'en tient à ses propos, traquer tous les membres qui... Ouais, les organisateurs de ce mouvement. Et ouais, finalement... Peut-être qu'il faut aller loin, Yaraï, pour aller traquer les commanditaires. Peut-être qu'il y a des commanditaires qui sont tapis dans l'ombre. Ce n'est même pas Ousmane Bia seul qui a été arrêté. Ouais. Il y a d'autres membres aussi, plusieurs membres, ouais, selon nos informations, qui ont aussi été arrêtés. Je ouais, le disais... Notamment à Missira. Ouais. Oui, je le disais lundi, et il fallait quand même que l'autorité de l'État soit restaurée. Ouais. Il faut, Kankan n'est pas une partie entière de ce pays. C'est quand même. C'est pas un no man's land. Voilà, c'est pas un no man's land. Il faut quand même que les gens se ressaisissent. C'est pas interdit de manifester, mais s'il faut manifester, il faut le faire dans les règles. C'est révolu. Si vous vous comparez aux Gilets jaunes, je vous apprends que les Gilets jaunes sont dans un pays. Comparé à la Guinée, le niveau de développement, c'est pas la même chose. Et après, nous, le peu d'infrastructures de base que nous avons, vous vous attaquez à cela. On a vu quand même à Sigiri cette semaine également que des jeunes en colère sont allés s'attaquer également à une mairie du côté de Naboum. Je pense que c'est très regrettable. Il faut que les jeunes de ce pays changent de mentalité, essayent de comprendre que quand on est en colère, on doit savoir se contenir. On doit quand même faire recours à des moyens légaux pour se faire entendre que de passer par la pagaille ou de s'attaquer au bien public. De toute façon, en Guinée, on a adopté cette façon de se faire entendre. Oui, parce que c'est la violence qui paye. Et je on va tenter de joindre l'adjoint de celui qui a été arrêté. Il nous a contacté ce matin à la personne de Amara Topré Diakité. Se nomme-t-il. Il est en direct. Bonjour Diakité. Et bonjour, M. Diallo. Bienvenue sur nos antennes. Vous nous appreniez ce matin que vous êtes le coordinateur adjoint du mouvement d'électrification de la Haute-Guinée ou de Kankan. Dites-nous, que savez-vous des circonstances de l'interpellation, de l'arrestation de votre leader, Ousmane Biakaba? Ok, en fait, je vous remercie. Et très sincèrement, allez-y, allez-y, monsieur Diakité, allez-y très rapidement. Ok, je dis Ousmane Biakaba, c'est notre président. Oui. Du mouvement. Donc, de quel mouvement? Le mouvement citoyen pour le développement de la Haute-Guinée, notre mouvement appelé par tout le monde à Kankan ici, pas courant, pas d'or. Oui. Il était parti à la radio, il disait à Kankan ici, tout ce qui sort ici à Kankan, tout le monde sort au nom de pas courant, pas d'or. Ouais. Ça, c'est notre slogan, en un mot. Ça, c'est notre slogan. Tout ce qui sort, on dit que c'est pas courant, pas d'or. Même si c'est pas courant, pas d'or, on dit que c'est pas courant, pas d'or. Même hier et avant-hier, les gens aussi sont sortis au niveau des Misra. Tout le slogan ici, c'est pas courant, pas d'or. Donc, hier, il était parti à la radio simplement pour montrer aux gens vraiment, les gens qui étaient sortis, c'était pas courant, pas d'or. Au moment où il était à la radio pour expliquer à la population, vraiment, c'était pas nous. Les gens sortent à Kankan pour dire que c'est pas courant, pas d'or, c'était pas nous. C'est à ce moment que même les forces de l'ordre sont venues pour entourer la radio et ils l'ont arrêté avec force pour l'amener en prison. Donc, comme ça, et pourtant, il était simplement parti pour expliquer que c'était pas nous. Donc, le problème ici, c'est ça. Tout ce qui sort, si c'est toi nous ou pas, on dit que c'est nous. Si on a orchestré ou pas, on dit que c'est nous. Sinon, depuis mais vous êtes impliqué ou pas, Diakité? Vous êtes impliqué ou pas dans les derniers événements? Est-ce que vous en êtes l'instigateur? Est-ce que c'est vous qui avez appelé les jeunes à sortir à Bordeaux, mais aussi à Kabada, Salamani et ailleurs? Jamais de la vie. On n'est jamais impliqué dedans. On n'est jamais impliqué. Eh ben, je vous dis, on n'est jamais impliqué. Je vous dis la raison. Tout ce qui sort ici, on dit que pas courant, pas d'or, pas courant, pas d'or. C'est ça l'unique problème ici. Votre mouvement n'a organisé des manifestations que sous Alpha Condé, c'est ce que vous voulez dire? Oui, depuis Doumbouya est venu au pouvoir, nous aussi, notre mouvement, c'est le mouvement qui a été le premier à le soutenir à Kankan. Personne n'est sorti pour le soutenir, sauf nous. Alors dites-nous, Diakité, ce matin, quel est le groupe de jeunes qui est allé brûler le portrait géant du président Doumbouya au rond-point Komara Loisir? Qui l'a fait? Oui, c'est les jeunes en colère qui n'ont pas eu de courant et le quartier... Quel jeune? Ils appartiennent à quel mouvement? C'est ce que je vous dis là. Même hier, les gens se sortent de Misra. C'est un quartier au seulement qui n'a pas eu de courant la nuit. Donc, ils vont sortir. Le quartier Bordeaux, même chose. Mais Misra, même chose. Timbo, Salamanda. Le quartier mobile aussi. Et donc, finalement, tous ceux qui sortent dans la rue, on les identifie sous le label de mouvement pas courant, pas d'or à Kankan. C'est ça? C'est ça le problème. Ben. Aussi, voilà, je pense qu'on a compris l'essentiel. Ils sont aussi accusés Vous êtes accusé de vous en prendre à la famille du président de la transition à Kankan, mais aussi d'agir pour le retour du président Alpha Condé et que vous êtes des jeunes manipulés. Voilà. Manipulés notamment par le RPG Arc-en-Ciel. Qu'est-ce que vous répondez face à ces accusations d'acquitté? Ce que je vous dis, nous, on n'a jamais été d'accord avec le RPG Kankan parce que tous, on était toujours s'opposer à RPG Kankan. Nous, on n'a jamais orchestré ça, je vous dis. Même le premier manifestant, les gens devraient manifester à Kankan ici. C'est nous qui se sont opposés à ça. Au moment donc, on avait demandé que bientôt le mois de Ramadan, ils devraient organiser une manifestation ici. C'est nous qui sommes opposés à ça. Ouais. Pour l'interdire. Tout Kankan est au courant de ça. Donc le RPG voulait organiser une manifestation avant le Ramadan. C'est vous qui avez boycotté cette manifestation? Non, c'est pas le RPG. C'est certaines personnes. Je dis, c'est pas le RPG, c'est certains jeunes qui voulaient organiser ça, mais nous, on s'est opposé à ça, à Kankan, ici. Tout le monde est au courant. On est même allé monter les moteurs qui sont venus tout dernièrement pour présenter à la population. Vraiment, la population s'est calmée. Il y a les moteurs qui sont venus pour la sortie vers Karfamouria et vers Mobile. Alors, M. Diakité, est-ce qu'il y a eu d'autres arrestations, à part celle de votre coordinateur, Ousmane Biakaba? Bon, en fait, ils ont arrêté une autre personne aussi, mais pour erreur, s'il faut dire, parce qu'ils l'ont arrêté, parce que lui, comme il s'appelle DSP, donc l'autre aussi s'appelle DSP, ils ont fait l'erreur pour arrêter l'autre aussi. Donc, c'est un peu ça. Très bien. Quel message vous avez à l'endroit des autorités, notamment pour peut-être en faveur de votre coordinateur, Biakaba? Parce qu'il est, il est dans les mailles de la justice, là. Ok. Le message que moi, je t'ai donné à toute la population de Kankan, oui, c'est qu'en Guinée, surtout à Kankan, moi, quand même, j'étais très, très déçu. En même mot. Déçu de quoi? Très, très déçu. Parce que, oui, parce que tout ce que le combat qu'on a mené depuis 2020 jusqu'à maintenant, là, c'était toujours pour le développement de la ville de Kankan. On n'a jamais essayé d'un jour d'allumer le feu à Kankan. C'est nous qui se sommes opposés toujours qu'au plus de casse à Kankan. Et si on voit aujourd'hui, Ousmane Diakaba est arrêté. Personne n'a réagi sur la dossier. Ni les sages, ni les femmes, ni les enfants, rien du tout. Franchement, moi-même, personnellement, je me demande pourquoi je me suis battu pour eux. C'est juste l'honneur. Ouais. Et franchement, donc vous êtes déçu là, vous êtes un homme déçu, dégoûté. Très déçu, complètement déçu. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Et vous vous sentez complètement lâché, hein? Franchement du tout. Donc c'est que moi je demande pardon, pardon à la famille, pardon à toutes les autorités. C'était pas nous, les gens qui se sont sortis pendant la nuit pour faire des brûler des pneus sur la route, brûler les fichiers du président, c'était pas nous. Je lui demande pardon. Très bien. Pardon de plus de libérer notre président, c'était pas nous. Voilà, voilà qui est dit, voilà ce message de Amara Topré Diakité, vice-coordinateur du mouvement Pas Courant, Pas d'Or à Kankan. Il était en notre compagnie ce matin. Grand merci à vous, monsieur Diakité. On vient de l'entendre, Manu. Bonjour, bienvenue. Bonjour Abouakar et bonjour de passage à tous nos auditeurs. Donc ce mouvement qui décline toute responsabilité dans les manifestations nocturnes qui est secoué Kankan. Oui, en tout cas, à l'entendre clairement, c'est vrai, ils avaient organisé dans le passé des manifestations contre le délestage. Et voilà, ce slogan d'ailleurs, pas courant, pas d'or, tant qu'il n'y a pas de courant, on ne dort pas. Ouais. Clairement, en fait, c'est à cela que ça renvoie. Je pense que c'est la dénomination de leur mouvement qui leur colle à la peau, voilà, et qui est source de tous leurs ennuis. Oui, mais le slogan, il passe assez facilement. Il y a le même mouvement à Conakry, mais pacifique. Quand le courant part à 2 heures, dans nos foyers, on ne dort pas à Conakry. Justement, le slogan, il passe facilement. Et ça, finalement, on peut comprendre que les gens l'aient adopté finalement et qu'à chaque fois qu'ils veulent exprimer leur colère face au délestage, ils puissent ramener ce slogan sur la scène publique. Mais il y a quand même, de mon point de vue, une question assez centrale qui mérite d'être posée. Ouais. Ce n'est pas forcément comment les gens ont manifesté, mais c'est pourquoi les gens ont manifesté. Est-ce que Kankan a le courant? C'est une question quand même. Je pense que la meilleure réponse aujourd'hui qu'on puisse apporter aux jeunes de Kankan, ce ne sont pas ces arrestations. je le disais avant d'entrer dans ce studio, l'effigie du président qui a été brûlée, on peut la remplacer. La preuve, là, on l'a remplacée déjà. Elle ne coûte pas grand-chose. Mais en attendant, la plus grosse réponse, elle demeure encore indisponible. C'est-à-dire la réponse à la demande de la population. Est-ce que les gens ont le courage? L'amélioration de la desserte. C'est ça la vérité. Vous avez remplacé cette effigie, vous êtes en train d'arrêter des jeunes leaders. Vous pensez que demain, les femmes qui ont des condiments dans leur frigo, pendant ce mois de Ramadan, qui cuisinent et qui conservent, que demain, s'il y a délestage, que ces femmes ne vont pas sortir, alors vous allez arrêter toutes les femmes, vous allez arrêter tous les gens qui vont manifester. Rappelez-vous la nuit d'hier à Conakry, comment elle était. Et des gens qui vous coupaient le courant toutes les 30 minutes, ça vient, ça va, ça monte, ça descend. Vous comprenez rien, mais la population de Conakry peut aussi manifester. Nous sommes dans une période assez sensible où les gens ne mangent pas la journée. Du coup, les aliments sont conservés et pour ça, on a besoin d'électricité. Donc, on peut bien comprendre la colère de la population et pour moi, la meilleure réponse qu'on puisse apporter à cette colère, ce ne sont pas des arrestations, ce ne sont pas des intimidations, c'est l'amélioration de la desserte en électricité. C'est cela la vérité. Les Guinéens ont connu mieux. On a connu mieux avant le 5 septembre. Il ne faut pas qu'on nous donne de l'électricité à quantité insuffisante. Parce qu'une chose est claire, Alpha nous avait convaincu qu'on pouvait avoir le courant. Il l'a donné. Manu. Si vous nous en donnez moins, on sera exigeant. Non, mais c'est la vérité. Si vous en donnez moins, on sera exigeant parce qu'on a connu mieux par le passé. Si cette situation se produisait autant de l'ancien accord... je vais entendre Garé. Oui, mais c'est bien beau de réclamer ces droits, mais rassurez-vous d'être dans les normes. Je parie que ceux qui sont dans la légalité, quand vous prenez, vous faites le sondage, vous trouverez que ceux qui manifestent là, parmi sur 100, vous verrez que 90% sont ceux qui ont des difficultés même à payer l'électricité ou bien qui trafiquent même les compteurs. Mais écoutez, mais bien sûr... attendez quand même, bien sûr, mais tu vas leur donner quand même tous leurs droits, madame. Non, je ne suis pas... Mais je pense que pendant ce temps, la tension couvre du côté de l'abbé. Est-ce que tu es au courant? Je suis au courant. Mais la situation, elle est crispée du côté de l'abbé. Vous avez suivi la sortie de ce collectif, de ce mouvement. Qui a fait un mémorandum. Je suis d'accord. Mais écoutez, il y a un risque de ce côté. C'est vrai. Je ne suis pas en train de dire que leurs réclamations ne sont pas fondées. Mais je suis en train de dire que quelque part, il y a une sorte d'exagération chez le Guinéen. Le Guinéen qui a tendance à exagérer dans la réclamation, si vous le suivez, vous le sculptez, vous vous rendez compte que ce Guinéen-là, il n'est même pas dans les normes. Oui, bien sûr. Il faut quand même relativiser ça. Relativiser tout ça. Allez-y, Ramadouri. Écoutez, moi je pense d'abord que le gouverneur est parti d'une fausse piste parce que déjà c'est lui, certainement par autocensure, pour se faire plaire certainement à Conakry, donc à Mamadi Doumbouya. Vous l'avez écouté, il a annoncé que tous ceux qui sont liés de près ou de loin à cette manifestation, à ces réclamations seront arrêtés. Il faudrait tout simplement dire que tous ceux qui ont été pris en flagrant délit de casse d'édifices publics, y compris donc sur la chaussée, eh bien, feront face à la loi. Mais si vous dites tous ceux qui sont liés à cela vont être arrêtés, même ceux qui n'étaient pas dans les rues, même ceux qui n'ont pas été pris en flagrant délit, même ceux qui n'ont pas lancé de mots d'ordre, eh bien, c'est des choses comme ça que l'on voit. Parce que le jeune, ou les jeunes, ils ont... Permettez-moi, Ouri, c'est la porte ouverte au ramassage de tous les leaders d'opinion. C'est ce que je dis. Tous ceux qui ont été dans le passé dur, on a tous les abus. En fait, c'est tous les abus. Le gouverneur, justement, de la ville ou de la région, est allé dans une sorte d'excès. Et on sait la finalité, c'est quoi? C'est pour envoyer un signal à Conakry. Oui, monsieur le président, je suis là, je suis prêt à... La situation sous contrôle. À faire tout ce que vous voulez. Parce que le jeune, qu'est-ce qu'il peut dire de plus? Ils ont dit qu'ils n'ont lancé aucun mot d'ordre. Ça, c'est un. Secondo, même si ça reste à vérifier. Non, oui, mais encore une fois, Madouri, ça reste à vérifier. Ils ont quelle preuve que ces gens-là ont lancé un mot d'ordre? J'ai envie de dire, est-ce qu'ils sont allés sur une radio pour dire sortez tel jour? Quand il y a eu manifestation, ils ont dit c'était pas nous, c'est un autre groupe. Ça, c'est un. Secondo, vous ne les avez pas surpris dans la rue en train de manifester ou de casser. Bien. Ça c'est la deuxième raison. Troisième raison, vous venez le prendre ou dans une radio où il est en train justement d'expliquer à l'opinion que ce qui s'est passé n'était pas eux. Bien. Je sais Madouri, pas pour quelle raison. Il nous reste que 2 minutes. J'aimerais qu'on dise deux mots de la situation de l'abbé. Parce que j'ai quand même ce pan de la déclaration de ce mouvement qui est né spontanément du côté de l'abbé, qui dit ceci, le traditionnel tour-tour, voilà. Alors que les Guinéens traversent actuellement une situation économique inédite, de nombreuses mamans, sœurs et frères qui utilisent l'électricité dans leurs activités quotidiennes ont vu leur chiffre d'affaires impacté avec parfois des pertes considérables et le traditionnel tour-tour n'existe plus, mais les factures tombent toujours. Il est temps que ça s'arrête, soucieux du maintien de la paix et de la quiétude sociale. Donc le collectif pour la défense des consommateurs de l'AB exige la reprise de la desserte en électricité dans la ville avant le mardi 4 avril. Voilà, alors, il tomate. Je vais terminer, que ce soit l'AB ou Kankan, ce que je dis au gouverneur de Kankan, c'est que le délit, ce n'est pas de demander la régularité du courant. Le délit, c'est quand vous interceptez les gens en train de casser les biens. C'est là où il y a même le délit. Là, vous allez choper quelqu'un dans une radio qui est en train de dire « ce n'était pas nous ». Donc, à un moment, il y a un problème qui se passe à Kankan. Alors, à l'AB, ce collectif qui a pour porte-parole Amadou Diouf de Diallo, effectivement, est allé par une voie pacifique, puisqu'ils ont fait un mémo qu'ils ont déposé au niveau du préfet de Mamou, puis ils sont allés voir les responsables DDG, pardon, de l'AB, je disais Mamou, de l'AB, pour leur expliquer le fait qu'ils ne reçoivent pas le courant régulièrement. Ouais. Et donc, ils demandent à ces messieurs-là ben, de l'AB broie du noir. C'est le noir total. Au-delà de ce collectif. Le voile noir. Au-delà de ce collectif, ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message. C'est un citoyen, tout simplement, qui m'a dit « Salut, monsieur Diallo, je viens de vous rejoindre, donc de capter la radio. Je vous informe qu'il n'y a pas de courant à l'AB. Je suis rentré hier. J'ai vécu dans le noir. » Hier et jusqu'au matin, à l'aube, la ville était dans le noir. Ouais. Ça, ce n'est même pas une citoyenne de l'AB. Ouais. En fait, elle y est allée pour un séjour et donc elle a constaté cela et elle nous l'a relayé. C'est invivable cela. Maintenant, la question qu'on se pose, oui, les gens sont maintenant prêts à demander le courant, à même manifester, mais est-ce qu'ils sont dans les normes, comme Diarra le disait? Ça, c'est les perpétuelles questions que moi je me posais depuis l'époque d'Alpha Condé. Ouais. Mais ce qui est une évidence aujourd'hui, c'est que EDG met tellement de pression pour sa facture actuellement, on peut être sûr que les gens payent les factures aujourd'hui. Ouais. Parce que EDG ne laisse aucune chance aux gens de ne pas payer. Vous, êtes, bien coupés, vous êtes coupés si vous ne payez pas. Bien. Donc les gens, s'ils payent l'électricité, qu'ils n'ont pas cette électricité, ils sont bel et bien en droit, de la réclamer, même si la manière justement de la réclamer est bien entendu laisse à désirer. À choisir. Laisse à désirer, voilà, comme l'estime également Diarra Guirassy. Voilà, la radio c'est l'heure, on est obligé de nous arrêter là pour l'instant. C'est la première grande pause dans Mirador. On revient dans quelques instants après une pause info à 9 h sur nos antennes avec la rédax. Avec Milkana, vivez des moments de bonheur et de douceur avec vos enfants. Offrez-leur le meilleur, les délicieux desserts Milkana. Découvrez leur nouvelle recette extra crémeuse, source de protéines, avec de vrais fruits mixés et du bon lait de vache. Comme avant, ils vous accompagnent toute la journée, même hors du frigo. Milkana, la force du lait, la force de l'amour. Excusez-moi, le guet, c'est pas grave. Désolé, c'était les interdits. Non, t'inquiète. Mais attends, vous avez tous quoi à sourire aujourd'hui là? Mais tu sais pas? Non. C'est la folie chez Mouna. Regarde. L'Internet n'est pas un luxe. Mouna vous l'avait dit. Offrez-vous une connexion illimitée jusqu'à 20 mégas avec la fibre optique au prix de 690 000 francs guinéens. Si, je répète, au vrai prix de 690 000 francs guinéens. Ce n'est pas beau ça? Et ce n'est pas tout. Mouna et Canal+, associent l'Internet à votre abonnement télé. Recevez vos programmes TV via MyCanal tout en profitant de l'illimité pour une seule facture. C'est seulement Mouna qui fait ça. Pour vous abonner, appelez le 95 ou écrire à vente@mounagroup.com. Mouna Group Technologie, nous faisons mieux. Sous réserve d'éligibilité et de raccordement à la fibre. Bienvenue à la boutique de literie Nordine et Frères, spécialisée dans la literie, les abayas, les hijabs pour femmes et les djilbabs pour hommes et enfants. À la literie Nordine et Frères, vous trouvez sur place des draps doux, moelleux et de qualité pour un bon sommeil, des rideaux avec des finitions parfaites, disponibles en 2 et 3 pièces, des couvres matelas, des pyjamas, des kaftanes pour hommes, femmes et pour enfants à moindre coût. La boutique Nordine et Frères dispose de tout ce dont vous avez besoin pour créer votre oasis de sommeil parfait, un habillement simple, élégant et responsable en toutes circonstances. Pour vos tenues de fête et de cérémonie, vos tapis de prière, vos moquettes maison ou bureau, Nordine et Frères est là pour vous aider pour trouver le meilleur choix qui convient le mieux à vos besoins et à votre budget. De plus, nous nous engageons à vous offrir un excellent service client et à vous garantir une satisfaction totale. Nous sommes là pour vous aider à trouver la literie de vos rêves élèves et de vous assurer des tenues qui conviennent à tous. Adresse Madina, route Niger, en face du centre Madame Barry. Téléphone 621 94 56 66 et à Coloma Marché 628 54 64 46. Nourdine et Frères, le bon prix pour dormir et s'habiller. Welo welo aduna tigi tigi kidon yidi salam lemune salam pom no kasahara ko salam mango e ankadi salam punye non he fi hodu hina salam jillado ene joni non ko hondum buranyo he ko no min kala ko woni ji salam no wela la salam jili ge fi kala ko yidu donko salam souriez à la vie. Le vrai goût de la nature. Alors, vous êtes plutôt salam orange, salam pomme, non, salam mangue peut-être, et salam ananas, pourquoi pas salam multifruits? Mais vous aussi, finalement, vous préférez quoi? Moyen, j'aime tous les jus salam, j'adore. Salam, des jus de fruits naturels pour tous les goûts. Salam, souriez à la vie. Girere la via. Ora ile salam le munutale dumayenge. Salam pomdo. He ile fana. Salam makorotalo. Neke ni salam kabibitadi do. He munedo ntanya basano otalo. He ile koni makona botopa. Iyo moko boto. He abe ju salam be dumanye. He abe kakabo. Salam girede ngena ma dias be dolare ni mena. Salam souriez à la vie. L'information en Guinée, en Afrique et ailleurs dans le monde. Surf de l'actu. Bienvenue dans ce surf de l'actu à Mamou. La forte pluie qui s'est abattue dans l'après-midi d'hier jeudi sur la ville a provoqué de nombreuses inondations, notamment au quartier Horéfelo, dans ce quartier situé sur la nationale Mamou-Conakry. Plusieurs habitations et garages mécaniques ont été envahis par les eaux de ruissellement. L'antenne de la société de téléphonie Celcom n'a pas été épargnée par les intempéries. Elle a été arrachée par les vents violents. Pour leur aucune perte en vie humaine n'a été signalée. El Hadj Ousmane Sanloa rejoint sa dernière demeure ce vendredi après la grande prière. La dépouille de l'ancien président de la coordination Halipoular et Fulbe de Guinée, qui a quitté la mosquée Faisal dans la matinée d'hier jeudi, est arrivée à 0h25 dans l'enceinte de la grande mosquée de Fatako, construite par le défunt chef coutumier des différents foyers coraniques du pays, des notables, des représentants des 4 coordinations du pays, des membres du gouvernement et d'autres citoyens venus des 4 coins de la Guinée et de la sous-région déferlent sur Fatako pour assister à l'enterrement de l'ancien président de la Chambre de commerce, rapporte Amadou Ribari, notre envoyé spécial. Sur le continent, l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié a appelé les membres de son parti à s'unir pour remporter la prochaine élection présidentielle en 2025. L'ex-chef d'État s'est exprimé jeudi à l'occasion d'un congrès extraordinaire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, convoqué suite aux défections de certains de ses cadres ces dernières semaines, à l'instar de l'ancien directeur de cabinet M. Bédié, Narcisse Andri, et qui a rejoint le parti au pouvoir. L'ex-président a également laissé entendre que des alliances pourraient être nouées avec d'autres partis pour les prochains scrutins. Ailleurs, il y a exactement un an, l'armée russe se retirait de Boucha après un mois d'occupation. Cette banlieue champêtre au nord-ouest de Kiev allait devenir synonyme des exactions commises contre les civils par les soldats russes, mais aussi de l'effort entrepris pour enquêter sur ces crimes de guerre. Ainsi prend fin ce jour de l'actu. Merci à tous de l'avoir écouté. Avec Milkana, vivez des moments de bonheur et de douceur avec vos enfants. Offrez-leur le meilleur, les délicieux desserts Milkana. Découvrez leur nouvelle recette extra crémeuse, source de protéines, avec de vrais fruits mixés et du bon lait de vache. Comme avant, ils vous accompagnent toute la journée, même hors du frigo. Milkana, la force du lait, la force de l'amour. Excusez-moi, le guet, c'est pas grave. Désolé, c'était les interrogations. Non, t'inquiète. Mais attends, vous avez tout ce qu'on a assuré aujourd'hui. Mais tu sais pas? Non. C'est la folie chez Mouna. Regarde. L'Internet n'est pas un luxe. Mouna vous l'avait dit. Offrez-vous une connexion illimitée jusqu'à 20 mégas avec la fibre optique au prix de 690 000 francs guinéens. Si, si, je répète, au vrai prix de 690 000 francs guinéens. Ce n'est pas beau ça? Et ce n'est pas tout. Mouna et Canal+, associez l'Internet à votre abonnement télé. Recevez vos programmes TV via MyCanal tout en profitant de l'illimité pour une seule facture. C'est seulement Mouna qui fait ça. Pour vous abonner, appelez le 95 ou écrire à vente@mounagroup.com. Mouna Group Technologie, nous faisons mieux. Sous réserve d'éligibilité et de raccordement à la fibre. Bienvenue à la boutique de literie Nordine et Frères, spécialisée dans la literie, les abayas, les hijabs pour femmes et les djilbabs pour hommes et enfants. À la literie Nordine et Frères, vous trouvez sur place des draps doux, moelleux et de qualité pour un bon sommeil, des rideaux avec des finitions parfaites, disponibles en 2 et 3 pièces, des couvres matelas, des pyjamas, des kaftanes pour hommes, femmes et pour enfants à moindre coût. La boutique Nordine et Frères dispose de tout ce dont vous avez besoin pour créer votre oasis de sommeil parfait, un habillement simple, élégant et responsable en toutes circonstances. Pour vos tenues de fête et de cérémonie, vos tapis de prière, vos moquettes maison au bureau, Nordine et Frères est là pour vous aider pour trouver le meilleur choix qui convient le mieux à vos besoins et à votre budget. De plus, nous nous engageons à vous offrir un excellent service client et à vous garantir une satisfaction totale. Nous sommes là pour vous aider à trouver la literie de vos rêves et de vous assurer. Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée. L'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Merci de nous rester fidèles, merci de continuer de nous préférer. Dans la troisième partie de Mirador, cette question sur la table posée par Talib Ebari, où en est le Premier ministre Dr Bernard Goumou dans le processus de traitement des préalables urgents concoctés à sa demande par les forces vives de Guinée et remis aux chefs religieux le vendredi dernier 24 mars. A rappeler que parmi les actions urgentes, les forces vives de Guinée ont consigné dans leur mémo, entre autres, la libération des détenus sociopolitiques et la fin du harcèlement judiciaire des responsables des partis politiques opposés à la conduite de la transition. Et voilà une semaine que ces documents ont été remis au collège des chefs religieux, lesquels s'efforcent depuis un mois de rapprocher les positions radicales des autorités de la transition et des forces vives de Guinée. Peut-on estimer que le Premier ministre tarde à répondre aux mémos des forces vives de Guinée? La pause médiatique est plutôt politique imposée par le ramadan est-elle véritablement mise à profit pour construire une véritable désescalade en Guinée? Ce sont des questions auxquelles donc nos chroniqueurs vont tenter de répondre dans la troisième partie de cette émission. Pour l'heure, dans un court instant, il va s'exprimer chez nous en toute exclusivité Moualim Touré du RPG Arc-en-Ciel, proche de l'ex-président Alpha Condé. J'ai dit Alpha Condé, tu nous as gazé alors que nous n'étions pas en train de manifester, mais je te garantis une seule chose, tu sortiras de Serhou Touré sous les balles, a confié mercredi à Serhou Nassouma, Koutigui de la Basse-Côte, à notre confrère Africa Guinée, en marge de sa présentation de condoléances suite au décès d'Elhadj Ousmane Sanlo Baldé, qui rejoint tout à l'heure dans l'après-midi sa dernière demeure dans son village d'origine Fatako, dans la préfecture de Tougué. Des propos en forme d'imprécation qui semblent s'être matérialisés à travers la chute d'Alpha Condé le 5 septembre 2021, emporté par un coup d'État orchestré par le groupement des forces spéciales à sa tête, le colonel Mamadi Doumbia, qui, il faut le rappeler, depuis donc le 5 septembre 2021, est aux commandes de la Guinée. Que sait-on de la véracité de ces propos attribués donc de Elhadj Serhou Nassouma? Elhadj Serhou Nassouma est-il bien placé pour jeter ainsi l'ex-président Alpha Condé en pâture? Moualim Touré lui répond dans un court instant. Il sera question également du passage cette semaine de Ohé Guilavogui devant les juges de la Cour de répression des infractions économiques, la CRIEF. Nous en parlons donc vers la fin de cette émission. Avant de continuer, on va s'arrêter pour faire lecture de quelques réactions de nouveau. On y va, on va essayer de prendre le maximum. Le temps pour Tidiane de joindre, dans 5 minutes, de joindre Moualim Touré. On y va avec ses réactions. Allez, c'est Mohamed Bayo. Voilà, ce message donc sur WhatsApp, on va y arriver dans un court instant. Nous partons du côté de Coléa pour retrouver le loup de Coléa. Bonjour Titi, bonjour à toute l'équipe de Mirador. Que Yaraï arrête un peu ce genre de raisonnement. Les citoyens ont le droit de manifester qui n'a rien à voir avec le paiement ou non des factures. Et mieux, personne n'a manifesté ici parce qu'il a été coupé, parce qu'il n'a pas payé sa facture d'électricité. Le débat se trouve au niveau de la fourniture, pas au niveau du paiement. N'en déplaise le loup de Colère. Du côté de Cancan, c'est Habib Ourekoubi, l'enfant de Dengraï, qui réagit, patron des auditeurs de films à Cancanabaya. Bonjour le neveu de Dengraïka, bonjour à Mirador et bonjour à mon Dengraï natal. Au fait, maintenant je ne perds plus mon temps à suivre le procès, je reste tranquille et attends Sékou Diatea pour le résumé de ce qui s'est passé durant la semaine. Abouakar, nous auditeurs de films FM à Cancan, souhaite et demande vivement notre antenne ici. Voilà. Voilà, c'est un message qui s'adresse par endroit à la direction de l'ARPT, pourquoi pas. Bonjour le juste et bonjour à toute l'équipe du jour. Je profite pour saluer tous les ressortissants de ma ville natale d'Ingraï. Il faut dire à Djaraï d'arrêter d'analyser de cette façon. C'est Yaya Tivalo qui nous envoie ce message. Cet autre, c'est Alseni Labé Adjalo. Bonjour à Bouakar, le légionnaire des médias et l'ensemble des chroniqueurs de la Maison Orange. Chaque membre du gouvernement doit se battre pour offrir aux Guinéens ce qu'Alpha Condé n'a pas fait. Sinon, les manifestations vont continuer jusqu'à la fin de la transition et ça ne donne pas bonne image au colonel. Cet autre qui s'exprime également. Bonjour à Bouakar, ce pays doit avancer, mais c'est regrettable. Alia Konsoba, l'enfant de Dengraï. Youssef Kaba du PDN. Ce qui se passe à Cancan n'est rien d'autre que de la manipulation. Nous sommes insensibles à leur situation, mais ils ne peuvent pas passer une décennie à cautionner la mauvaise gouvernance du PRAC et faire preuve d'intransigeance face aux nouvelles autorités, comme si un claquement de doigts suffirait pour électrifier la ville. S'ils ont des réclamations, qu'ils les expriment pacifiquement à travers des sittings autorisés, mais aucun acte de violence ne doit être admis et selon Youssef Kaba du PDN. Cet autre qui s'exprime également, bonjour Abakar, Oumar Kourma, les chroniqueurs version Android de la radio Mille Collines et ben, du Rwanda en Guinée se réjouiront toujours de ce genre de mouvement. Oh, franchement, c'est pitoyable, c'est tout simplement. Excellence Konaté, bonjour mon cher Abouakar à tous. Nous avons bien compris que le CNRD a encore échoué dans cette affaire d'électricité. La junte a du pain sur la planche. Et c'est pour cela que nous disons que la vocation d'une transition est le retour rapide à l'ordre constitutionnel, surtout avec des discours teintés d'arrogance et d'orgueil. Ils ont bel et bien appelé à manifester. Voilà, c'est une source au sein de la presse qui nous l'apprend, donc qui confirme que ce mouvement a bel et bien appelé à manifester. Et le jour de la manifestation nocturne, ils étaient sur le terrain. Il y a beaucoup de dessous dans cette affaire. Voilà, nous confie une source au sein de la presse du côté de Kankan. Diamadina Sanea qui s'exprime également. Bonjour Abakar, le tramadol de la presse guinéenne. Merci. Et bonjour à toute l'équipe de Mirador. Je suis très heureux de suivre avec vous la synthèse du procès des massacres du 28 septembre. Comme si j'étais dans la salle d'audience, je suis convaincu que FIM FM 95.3 regorge de véritables talents. Continuez dans cette lancée et tout bon Guinéen est fier de vous, s'exprime Jean Marina de Sanea. Samba, notre confrère, bonjour Diallo et bon retour. J'ai pitié de la population de Kankan et surtout des jeunes leaders qui pilotent le mouvement dans une lutte. Si on ne s'assume pas, on doit cesser d'exister. Certes, il faut manifester sans violence, mais pourquoi demander pardon pour avoir réclamé un droit? Sambasso qui s'interroge. Ali Moussanka, bonjour les soldats de la démocratie, à toute l'équipe de Mirador. Bonjour à mes parents de Sankarela, M. Aboubacar Diallo, j'espère qu'il y a du mieux. Qu'Allah vous garde longtemps entre nous. Je présente toutes mes condoléances, mes sincères condoléances au peuple de Guinée pour la disparition du doyen hélas Ousmane Baldé Fatako 10 sans loi et sa famille éplorée. Alors dors en paix, doyen, ainsi va la vie. Ali Moussank de Sikora UFDG depuis l'Axe. Allez, cet autre monsieur Barry aussi depuis l'état civil de Matoto, le baromètre des médias à République de Guinée. Bon, mon DG, j'étais déçu de voir un de mes conseils demander à M. Lucenifal s'il savait que la langue de Marcel était fracturée. En réponse, M. Fall lui a demandé si la langue a des os. M. Diallo, ce procès nous enseigne combien de fois on a des avocats qui ne sont pas du tout à la hauteur. Certains avocats ne méritent pas d'être à ce procès. La Guinée traverse une honte de la part de ces avocats qui n'ont ni maîtrise des questions qu'ils posent, ni la chance de défendre leurs clients. Que Dieu sauve ma Guinée, c'est... Voilà, notre ami du côté de l'état civil de Matoto, bien entendu, voilà. Allez, votre consoeur parle du mandat d'arrêt émis par le procureur à Kankan. Juridiquement, c'est le juge d'instruction qui émet le mandat d'arrêt. C'est Fakaba, voilà, qui nous envoie ce message. Allez, d'autres réactions aussi, hein, voilà, très rapidement. Deux dernières réactions. Sambou, bonjour FIM FM, bonjour à tous, bon vendredi aux fidèles musulmans. Et bonjour les Barakouda. Juste vous dire que le vieux Sekouna devrait se rappeler de ces fameuses phrases où il a dit à toute sa gouverne de soutenir Alpha Condé, que c'est lui seul qui peut, qu'il arrête un peu. Bonjour à tous et bon vendredi à tous les fidèles musulmans. Deux dernières réactions avant de continuer. Mohamed Bayo, justement, qu'on retrouve. Bonjour Abakar, bonjour à mon Koulibaly Dougou Banakoro. Quand la passion domine les analyses, ça donne la nausée. Que le colonel donne à Diaraï son décret très vite et on avance. Elle paye le courant à la place de qui dans ce pays même? Mohamed Bayo, fidèle auditeur, qui est en colère ce matin. Allez, l'avant-dernier qui s'exprime, c'est bien entendu Bolokala de Tourama. Bonjour les légionnaires des journalistes, M. Abouakar, à toute l'équipe du jour. Les gens doivent arrêter d'accuser le RPG à Cancel. Si les putschistes illégitimes et illégaux sont incapables de satisfaire la population de Kankan, ils doivent rendre le tablier ou réinstaller tout simplement l'élu du peuple, le professeur Alpha Condé, car il n'a pas encore démissionné. L'électrification de la ville de Kankan était déjà sur la table du président Alpha Condé, mais malheureusement Kefimba est venu mettre tout dans l'eau. Comme les gens disent qu'il a donné le courant à Zérékoré, qu'est-ce qui l'empêche de donner le courant à Kankan? S'interroge Bolokada de Tourama. Enfin, comment Tindila? Bonjour Rodolfo et à tous. Le droit de Kankan à l'électricité est à défendre. Le régime passé durant ces 11 ans n'a joué qu'aux fausses promesses dans ce dossier. Ceux qui sont là actuellement On ne voit pas jusqu'ici de vrais engagements de leur côté pour régler cette situation. Un sage désespéré de Kankan avait dit aux jeunes de se confier à Dieu. Il est allé jusqu'à dire que c'est Dieu qui donne le courant à Kankan. La suite, Tidiane. Film FM, film. Film FM, Mirador, Parole Directe, l'interview vérité ou la fine bouche est bannie. Mirador, ici, la parole est directe. Donc il est de l'establishment du parti jaune du RPG Arc-en-Ciel. Il est en direct, il s'exprime, il brise le silence suite aux déclarations de Hélas Serouna Souma qui avait prédit donc le malheur à Alpha Condé après donc cette triste scène qui s'est déroulée dans la foulée donc de la contestation du troisième mandat d'Alpha Condé à Tanene justement. Mais Moualim Touré en direct. Bonjour Moualim, bienvenue. Bonjour Aboubakar Diallo, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Bienvenue sur Film Guinée. Première question, Bassékou. Oui. Mon Lim, on a suivi cette semaine les déclarations très polémistes de Hélas Serouna Souma, l'un des Kuntigi de la Basse-Côte qui dit que... Le Kuntigi? Oui, l'un des Kuntigi, on va le dire comme ça, voilà. Parce qu'il y a plusieurs Kuntigi pour l'instant, qui dit que vous nous avez gazé, eh bien vous sortirez du palais Sékou Touréa sous les balles. Quelle réaction aujourd'hui à ces propos? Peut-être avant de répondre à la question, Bassékou, vous allez nous aider, Moualim, puisque vous êtes de la Basse-Côte, vous êtes très imprégné de ce qui se passe en Basse-Côte. Aidez-nous à comprendre. Et là, Serouna est-il le Kuntigi ou l'un des Kuntigi de la Basse-Côte? Non, vous savez, comme vous venez de dire, d'abord, Boubacar Diallo, permettez-moi de m'acquitter un devoir. Nous sommes en mois de Ramadan. Ouais. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Cet verset est sur l'Araf. Ouais. Page 161, verset 87 et 88. Quand Dieu a dit juste cette phrase, Vasbiru. Il dit, patientez-vous. Il parle à la famille du prophète Shuaib. Patientez-vous. Jusqu'à le suprême des juges. Je vais parler d'Allah Tout-Puissant. Que le jour qu'il va rendre son jugement, la vérité triomphera, Inch'Allah. Je vous dire tout simplement, j'ai lu cet verset, je répète, celui qui veut le voir de plus, il y a le Loukourane en français, ouais. C'est le page 161, verset 87-88. Très bien. Je vous promets de vous dire la vérité, rien que la vérité. Très bien. C'est vraiment ce à quoi on s'attend vraiment de votre part, Moualim. Toute la vérité. D'abord, Hélas Serouna Souma, c'est vrai, il est Kuntigi de la Basse-Côte. Il est Kuntigi de la Basse-Guinée. Et j'ai été là à la conception des soubassements, de murs, et jusqu'à le crépissage, jusqu'à le toile, jusqu'à la peinture. Mmh. Ça veut dire qu'il a été fabriqué devant moi. Et là, c'est où? Hélas Serouna. Ouais. Aboubakar Diallo, je vais dire aux Guinéens. J'ai compris par ce procès-là que rien ne peut réconcilier les Guinéens si ce n'est pas la vérité. Ouais. Je vous dis, je jure sur le Coran, rien ne peut réconcilier les Guinéens, rien ne peut faire marcher la Guinée en avance si ce n'est pas la vérité. Alors, Hélas Serouna Souma, comme elle est devenue Kuntigi, d'abord, il n'était pas candidat. Ouais. C'est après le décès de Alaï Mahmoudou Souma, ouais. qui était le Kontigi de la Basse-Guinée, un vieux très sage. La preuve, personne ne l'a vu à côté d'un chef ou bien à côté d'un caméra. Vous-même, vous êtes les témoignages de ça. Ouais. Durant toutes les années qu'il a passé dans son fauteuil royal de la Basse-Côte, personne ne l'a vu chez quelqu'un. Paix à son arme, que son arme repose en paix. Bien. Après le décès d'Alain Mamoudou, 98% des sages ont décidé de faire une campagne l'élective, cette fois-ci en vraie démocratie, pour qu'on ait un Kontigi qui peut remplacer Alain Mamoudou. C'est en ce moment qu'il y a eu des murmures. La popularité de fait général face à Touré, il était vraiment en haut. Moi, je vous confirme. C'est en ce moment que Alain Cheikh a pris Senalia, l'imam central de Anta Marché. Oui. Il est l'imam central. En même temps, je crois qu'il est l'inspecteur général de la Ligue communale de Matoto. Oui. Adjoint, quelque chose comme ça. En tout cas, il a une forte responsabilité à la Ligue islamique. Bien. Qui je connais très bien. Donc, ils sont partis voir le Premier ministre à l'époque, Dr Kassory Fofana, et pour le convaincre de parler, de ne pas accepter qu'il y ait de procédure élective pour trouver un Kontigi pour Basse-Côte. Bien. Kassory était un peu résistant. Kassory, je ne peux pas dire ici, aujourd'hui, sur vos zones, pourquoi il était résistant à cette question. Il faut qu'on aille aux élections. Bien. Donc, pour raccourcir un peu, de ne pas prendre beaucoup de temps, je vais essayer d'expliquer comment elle est devenue Kontigi. Oui, c'est très rapidement, parce que pour beaucoup de gens, c'était voilà, feu fasciné, qui était positionné pour succéder à Elhadj Mamoudou. Et je vais vous dire pourquoi Fasciné était disqualifié, parce que j'ai juré de vous dire la vérité. Bien. Tout le monde connaît mes relations avec mon père, ex-président de la République. Mais ça, c'était c'est lui, enfin, au fait, qui a décidé, qui nous a conseillé qu'il ne veut pas voir Fascina comme Kontigi. Ça, il faut dire la vérité. Et bien voilà. C'est la vérité que j'ai en train de vous dire. Bien. Donc, le machine est... Maintenant, mais je te raconte même que c'est ce qui aurait aussi précipité la mort de Fasciné, parce qu'il s'est senti rabaissé, en tout cas, il a senti que le président Alpha Condé préférait quelqu'un d'autre à lui. Non, je ne pense pas que c'était ça, puisque je parle de quelqu'un que je connais d'ailleurs, c'est mon oncle. Fasciné n'était pas chaud, il n'était pas, honnêtement, il n'était pas intéressé. Et je vais vous dire aussi pourquoi le guéguerre a été déclenché entre Doyen Fasné et mon père adoptif. Ça aussi, on était là. Ouais. Ça a été fait, ça a été passé devant nous tous. C'était lié aux intérêts politiques. Puisque vous vous souviendrez que le Kontigi de la Basse-Côte, c'est une poste quand même privilégiée, dont les gens te respectent. Il y a, voilà. Moi, je ne savais pas que c'est un poste important. Ouais. Quand je me suis lancé à la conquête de ce trône à faveur d'Alain Cheikh Ounassouma, j'ai rencontré assez de difficultés puisque j'étais le facilitateur quand même. Ouais. Et parmi les jeunes, j'étais le plus jeune, parmi ceux qui étaient là dans la commission pour que Alain Cheikh Ounassouma passe. Mais avant que... Il y a quelque chose que je vais vous expliquer pour les Guinéens. Oui, allez-y. Avant ça, il a promis à Kassory qu'il va accompagner le gouvernement de Kassory, c'est son petit frère. Et ce qui me touche, d'ailleurs je n'arrive pas à comprendre, il a pris le Coran, il l'a mis sur sa tête, il a juré qu'il sera là pour nous, politiquement, socialement, pour nous accompagner. Cela a rassuré le Premier ministre à l'époque. Oui. Donc, et voilà, le machine maintenant est déclenché pour mettre à l'aise Ounassouma comme Kontigi de la Basse-Guinée. Bien. Et donc, en bref, c'est Alpha Condé qui a aidé Elhadj Cheikh Ounassouma, Alpha Condé et Kassory qui l'ont aidé à devenir Kontigi. Oui. Honnêtement, je vous dis, je jure sur le Coran, s'il est devenu Kontigi de la Basse-Côte, il le doit à Kassory et à Alpha. Bien. C'est pour cela que je ne voudrais pas parler aujourd'hui. Ouais. Et au-delà de ça, Aboubacar, oui, il y a beaucoup de questions qui tournent autour de qu'est-ce qui s'est passé entre Alpha et Kontigi de la Basse-Guinée. Ouais. Entre les deux, c'était Nchoro Madi, ça veut dire mon oncle, mon neveu. Ouais. Leur relation était tellement parfumée par les belles paroles, par ouais, le respect mutuel. Le respect mutuel, oui. J'étais trop surpris ouais, au changement de Kontigi à la dernière minute. Ouais. Et je vais dire aux Guinéens aujourd'hui que je ne suis pas impoli. Je vais dire aux Guinéens que j'ai quitté en Guinée pour mon école coranique en 5 janvier 1980 pour la Mauritanie. Ouais. Et je suis sortant de l'université en arabe. Ouais. C'est-à-dire mon éducation ne me permet pas voilà, de manquer du respect. De manquer de respect à quiconque. Ouais. Mais je me sacrifie presque aujourd'hui ouais, devant les sages de la Basse-Côte pour dire aux Guinéens, arrêtons un peu. Ouais. Arrêtons un peu. Ouais. Arrêtons un peu pour que la Guinée avance. Ouais. Arrêtons un peu, la haine ne construit pas, la haine détruit, Aboubacar Diallo. Ouais. Ouais. Entre Alèche Ounassouma et professeur Alpha Condé, la haine est très profonde, jusqu'à, je me rappelle une fois, c'est pour cela d'ailleurs, le propos qu'il a tenu, qu'il a dit, il est allé voir professeur Alpha Condé de le dire. Tu nous as gazé, et je te garantis que tu sortiras de ces retrouvés sous les balles. Sur les balles. Ouais. Je vais vous dire, c'est un Kontigi qui parle comme ça. Mais cela, je pose la question à vous, aux Guinéens. Est-ce que Alpha Condé que vous connaissez, et moi qui je connais, Alèche Ounassouma peut rentrer à Cher Touya, s'asseoir devant Alpha J dans les yeux, et lui dit c'est le bal qui va te déloger ici. Je sais que la haine entre eux, c'est tellement approfondi, mais qui a provoqué ça? Oui, mais dans les circonstances, Mamadou, si tu parles, dans les circonstances de ce qui s'est passé, ou dans la foulée de ce qui s'est passé à Tanene, parce que vous n'allez pas quand même nier les faits, Moualim, ils ont bel et bien été gazés du côté de Tanene, et là, Seguna, et là, Sanloa, qui rejoint sa dernière demeure aujourd'hui, et d'autres sages qui étaient réunis du côté de Tanene, ils ont été bombardé à coups de gaz lacrymogène, vous n'allez pas nier cela. Est-ce que vous n'êtes pas à même, laissez-moi poser ma question s'il vous plaît, est-ce que vous n'êtes pas à même de comprendre l'état d'âme de ce vieil homme qui donc étant sorti de ce matraquage ou de ce bombardement, on va dire ainsi entre guillemets, qu'il puisse envoyer une telle imprécation à l'endroit d'Alpha Condé? Je vais vous dire tout simplement que le gazage de domicile d'Alèche Ounassouma par le régime à l'époque, il était tellement vérifié. Je vais vous dire, vous allez être choqués. Donc c'était pas vrai. Pourquoi? Ah, non, non, c'est vrai. C'est vrai, ça a été gazé, je te dis. Bien. Mais j'assume mes propos. Allez-y. Moi, je me mets à la place d'Alpha. Aboubacar Diallo, tu peux te mettre à la place d'Alpha, qu'il y a une colère incontrôlable qui a été déclenchée entre Alpha et Alèche Ounassouma, provoquée par Alèche Ounassouma. Bien, expliquez-nous. D'abord, la concepteur de référendum de ces fameux troisième mandat, que les gens aiment le dire. Oui. Je vais être clair, je vais être franc avec vous ce matin. Pour la première fois que je l'attends de mes oreilles, c'était avec le Kontigi de la Basse-Côte. C'était en 2017. Et là, c'est où, non? Oui, je dis, je le répète. Il a été le premier à proposer un troisième mandat à Alpha Condé, c'est ce que vous voulez dire? Oui, oui, je dis, je le répète. Pour réconcilier le Guinéen, il faut qu'on s'assoie, on dise la vérité entre nous, on se pardonne. Sinon, la Guinée ne peut pas aller en avant. Il y a eu beaucoup de torts depuis autant de Kambouarou, autant de 2000, en 1984, le Koudjara, ainsi j'en passe. Un jour viendra, je vais vous proposer mes idées, comment la Guinée peut sortir de cette histoire. C'est la vérité qui peut nous faire sortir de cette histoire. Ouais. Kassory m'appellera un matin, ouais. Je me rappelle, Dieu m'a donné la chance. Je pouvais aller à Chertouria comme je veux, je pouvais aller à la primature comme je veux. Bien. Donc, ce jour-là, Kassory m'a dit de passer le voir, qu'on descend ensemble à la primature. Arrivé chez lui, ouais. On est monté dans sa voiture de commandement, il me disait, écoute, appelle ton père, je l'ai appelé 2 ou 3 jours pour qu'il reçoive un ticket de la mascotte, mais je sais pas qu'est-ce qu'il y a, il résiste un peu. Devant Kassory, j'ai pris le téléphone, je l'ai appelé. J'ai appelé le président. Le président ne savait pas que le téléphone était sur le micro. Il a dit, mais mon fils, je travaille. Ce n'est pas un fils, c'est mon oncle de toutes les façons. Mais est-ce que vous avez dit pourquoi il veut nous voir? J'ai dit oui, il a dit à Kassory que d'abord, il veut vous remercier d'avoir pu conduire Kassory, d'avoir tenu encore la promesse. Ali Jemal vient d'être nommé à la tête de la Ligue islamique. Ouais. Sans souvent que le peuple a dit non, si c'est ça, n'a pas besoin de venir. C'est bon, j'ai fait mon boulot. Moi, que Kassory, qu'autre personne, si tu fais l'affaire de la Guinée, je t'approche pour que la Guinée avance. Bien. J'ai dit, non, peuple, il n'y a pas que ça. Il dit qu'il y a un problème qu'il ne peut pas nous expliquer. Ça, par contre, je vous avoue que j'ai menti. Ça, il ne m'a pas dit. Bien. Il faut mentir pour arranger. Quand tu es à côté d'un chef, seulement il ne faut pas mentir pour gâter. J'ai dit, qu'il y a quelque chose de très important pour le pays. Sans seulement que le peuple a dit, ok, il peut venir. Très bien. Je ne citerai pas le nom des gens qui étaient là présents, mais je peux citer le nom de Kassory. Je peux citer le nom de Imam Sednalia qui était là. Bien. Donc, les deux personnes, ils sont là, ils sont vivants. Ouais. Arrivé à Chertouria, tout court, Allahumma salli wa sallam ala Sidna Mohamed. Je vais essayer d'expliquer sans souchou. Allez-y. Puisque le 80% ne comprennent pas le parquet expliqué encore en français. Oui. Tout court, nous sommes en Nanga Fafalebe. Inwali Alagabara Efima. Inwali Ibanlana Babas Kot Dibe. Mais président Nanga Falebe, Fende Nana, Nanga Faladara Ringabeto, Tolo Kumbe Nantolora. Président, mon neveu, je suis venu te dire merci. Merci de ce que tu es en train de faire pour le fils de la Basse-Guinée. Mais président, aujourd'hui c'est un grand jour pour nous. Je vais vous faire une déclaration. Kassory n'est pas au courant. Personne n'est au courant. Mais moi, pour te montrer ma fidélité, voilà, en 93, je crois bien, si ma mémoire est bonne, Mouloukou, le concepteur de référendum pour le fait général Lansana Conté, était Mouloukou Souleymane. Je me rappelle bien. Ouais. Il a dit cela. C'est grâce à eux, Lansana Conté, grâce à la Mandingue, grâce à le Malinké, puisque moi je n'aime pas prononcer un peu l'ethnie, ouais, voilà. Ouais. Mais il n'a pas dit grâce à Mandingue, il a dit Maninké n'a rien, Lansana Conté a référendum Naraba. Maninké a donné na chouchouima. Alou Sochou et Ramaninke Radouni Ragbilema, référendum organisé Féibé, professeur Alpha Condé, à la cour à 3e mandat là-bas. Donc, il y a une dette morale, une dette de sagesse, une dette de noblesse. De noblesse envers le Malinké qu'il est temps pour nous de rembourser. C'est comme ça qu'il a dit, je me rappelle. Donc, le président, je me rappelle de cet regard, il a regardé Kassory. Il a dit, Kassory, vous êtes là pour ça? Avec un ton un peu serré. Parce que le président lui-même, il était surpris pour cette proposition quand même. Je te parle de 2017, donc 2016-2017. Dans ce moment que Kassory a répondu, Ambon Sousountara, Ntangundi Manyangna Iwaira, mais... on va pouvoir tomber pour le 2e mandat. On s'en fait, Wati Kayama, Wali, on a fait la chouï, on m'a wali carrément. on a avancé 2018 2019 nali halina na ne fanga halima na le rale sha una suma halima o man lu yire keren. Écoute, la réponse de Kassouri, c'est important d'expliquer sans souci en français. Bien, allez-y. Parce que moi, je suis arabisant. Oui, tout à fait. Ouais. Kassouri dit à Alpha, à son grand frère, il dit Ntara, grand frère, moi aussi je suis surpris, mais nous sommes en 2016-2017 maintenant. Il reste encore 3 ans, on a le temps de réfléchir à ça. Et puis, il ne faut pas que ça perturbe un peu le projet qu'on vient de déclencher, l'IMAS. Si cela aussi ça te ressemble, il n'y a pas de problème. À partir de 2018-2019, on peut encore l'appeler, que Dieu nous donne la longévité pour ça, si ça sera ton programme, et on t'accompagnera dans la fidélité. D'ailleurs, je profite de l'occasion de dire de vous et moi, ça n'a rien à voir avec ça, de dire au gouvernement de CNRD. Ouais. Kassouri est malade. Ça fait 4 jours, il a piqué encore une crise. Oulala. Honnêtement, wallahi billahi tallahi. Oulala. On était trop peur. La famille a eu trop peur. Ouais. Mais il y a eu plus de peur que de mal. Dieu merci. Ils n'ont qu'à le laisser partir se soigner. Il ne fuira pas. Lui, je le connais un peu. Il jamais fuira devant son destin. Ouais. Donc, en ce moment, ça, c'est une parenthèse. Ouais. Une parenthèse. Bien. Donc, je vais essayer de vous nourrir le foie et l'esprit pour vous dire que le pays n'a pas besoin de ce genre de propos, car on vient de déclencher un dialogue. Ouais. Cette fois-ci, nous, on a l'espoir que c'est un dialogue sincère, puisqu'on a vu le preuve. Je profite de l'occasion de remercier Alain Momessal ou Camara et eux, le force vive. Bien. Honnêtement. Ouais. Le force vive, bravo. Il y a eu 3 reports, 0 morts. Bien. Mais c'est trop tôt. C'est trop tôt de crier à la victoire, Moualim. On va rester sur ce qui s'est passé ce matin. Je ne sais pas, c'était ce matin de 2017 au Palais Serhou Touré. 2017. Voilà. Après cette rencontre, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Au sortir de cette rencontre, qu'est-ce qui s'est passé, Moualim? Donc, quand on est sorti, oui. Je vous dis en toute honnêteté, Kassouri n'était pas en l'aise. Moi, je me suis retourné avec lui et honnêtement, le président était tellement content. Et je vous dis tout court, entre 2017-2018 maintenant, moi-même, et Alain Cherouna Soumakountigui et Sénalia, on s'est mis dans la danse. Et c'est à partir de ce jour-là que le programme de référendum, le rail, on a commencé à le construire pour que le train de 3e mandat bouge. Bien. Il faut appeler les chiens par son nom. Eh bien, voilà. Vous reconnaissez être l'un des concepteurs du 3e mandat pour Alpha Condé? Dis-moi, moi je suis quelqu'un qui assume. J'ai été le président de Présidium chargé des élections présidentielle en 2020 à Matoto. Donc je ne suis pas à ma responsabilité. Mon livre ne ressemble pas à ça. Mais je vais vous dire, l'histoire de la Guinée est triste. Dis-moi celui qui n'a pas accompagné Alpha dans ce programme. Monsieur Touré. Non mais ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils ne l'ont pas accompagné. Ou vous allez nous dire le contraire, Moualim? Mais non, moi je vous dis le contraire. Je lance le défi à quiconque. Donc, si tous tant qu'ils sont, ont soutenu, accompagné le 3e mandat. C'est ce que vous voulez me dire. Bien, allez-y. Allez-y, Moualim. Rapidement, Boubacar Diallo, ouais. je vais répondre à cela en une seconde. Très bien. C'est pour cela, si vous vous souviendrez, je n'ai jamais attaqué Mamadi. Pourquoi? Le coup d'État qu'il a fait, il s'est protégé. Si la réussite a été consommée pour le 3e mandat, ceux qui n'étaient pas avec nous, c'est qu'ils sont allés attaquer Samoureya. Ils sont allés attaquer l'armerie de Samoureya. Ouais. Qui est colonel Mamadi Condé, qui est mon ami, paix à son arme. Ils sont pris plus de 7 pick-up et ils sont pris de 12-7. Quand je te parle de 12-7, demande à tout le monde, chez les Arabes, tu ne peux pas faire le lycée sans faire ton obligation militaire. Je l'ai fait à Mauritanie, à l'époque, au temps de Maoui ou Laïdara. Je lui dis, je le répète, si les 7 pick-up là étaient rentrés ce jour-là qu'on a crié, il y aura des carnages plus que ça le 28 septembre. Qui est parti prendre ces troupes, aller intercepter ces gens-là, si ce n'est pas à l'époque commandant de la force spéciale, dont la personne Mamadi Condé. Ouais. Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya. Ouais. Donc, ça veut dire que, quelque part, il a joué un rôle. On n'est pas là pour parler l'accompagnement de professeur Alpha Condé. Bien. Qui a fait quoi, qui a fait quoi. Il faut être noble. Quand je parle de noblesse, ouais, mais on peut vous opposer tout simplement, Moualim, le fait que le colonel, à l'époque commandant des forces spéciales, il jouait tout simplement son rôle, le rôle qui était le sien, celui qui était à la tête de cette unité d'élite de l'armée, qui participait donc à la défense du président et des institutions de la République. C'est ce que je vous dis. Voilà. Mais est-ce que cela signifie soutenir le troisième mandat? Je te pose simplement la question, Moualim. Est-ce que le fait d'intercepter, de barrer la route à cet ordre qui avait quitté Kindia et qui fonçait sur Conakry, le fait d'intercepter cette colonne, est-ce que ça fait de lui et de ses hommes des soutiens avérés au troisième mandat? D'abord, je veux vous dire, c'est pour cela Dieu l'a accompagné de ce qu'il a fait. Quand quelqu'un te fait ça, et on lui dit qu'il veut faire le coup d'État, excuse-moi, ça c'est pour moi et pour toutes les RPGistes. Bien. J'ai dit, je le répète, le malheur d'Alpha, excuse-moi des mots, ceux qui étaient autour de lui, ils étaient très méchants. J'ai vu beaucoup de choses autour. Là, Moualim, c'est vous qui dites ça aujourd'hui, Moualim. Attends, je le dis, je le répète. Mamadi devrait être décoré après la victoire. J'ai été surpris qu'il y ait un mécanisme qui a été mis en place pour qu'on arrête. Il a 500 hommes à sa disposition, armés jusqu'aux dents. Il va se laisser faire? Non. Ben non. Donc, ça, un jour viendra. Et qui voulait arrêter Mamadi? Sincèrement, c'est vrai ce que vous dites là. Qui voulait arrêter Mamadi? Ça a du sens, Moualim. Ouais. Attendez, écoutez-moi. Encore une fois, il ne faudra pas que je perde le pédale. Si vous voulez en débattre ça, invitez-moi chez vous. Je vais vous donner la preuve. Je vais vous parler homme à homme. Bien. Et dire que si le colonne là qui a eu l'audace de tuer colonel Mamadi Condé, le commandant de la force d'attente de Samouria. Le courage qui les a poussés de faire ça, de prendre cette pick-up, faire monter le 12-7 sur ce pick-up-là, pour venir prendre Cheikh Touréa. Si ce n'était pas Mamadi ce jour-là, il y aura de pur à Conakry. Wow. C'est pas ça, je lui dis merci. Bien. Et parfois, ouais, quand quelqu'un t'aide vraiment à aller faire la chasse, donne-lui un peu de la viande. Bien. Comme ça, la chasse va être riche. Donc, il méritait d'être décoré au lieu d'être combattu. Voilà. Bien. On revient sur le Kontigi. Oui, justement, pour parler du Kontigi. Le propos qu'il a tenu. Bien. Moi, je condamne ces propos-là. Ce n'est pas le propos d'un Kontigi. On ne devrait pas s'en vanter de dire que si même si Dieu t'écoute, même si Dieu t'écoute, le prise de pouvoir, il y a eu des familles qui sont pleurées. Le prise de pouvoir, il y a eu des changements. Et ce changement aujourd'hui, c'est que les Guinéens veulent. Pour qu'on dise, oui, alhamdoulilah, la Guinée a mérité cette coup d'État. C'est que nous allons éviter qu'il n'y ait plus de morts d'hommes dans ce pays. C'est qu'on devrait éviter que la Guinée aille à l'avance, qu'on oublie le douleur qu'on a. Pour ça, il faut des propos réconciliatifs. Ouais. Il faut des propos de réconciliation. Ce n'est pas des propos. Vous voulez une chose. Vous pouvez s'adresser à quelqu'un qui est le père fondateur d'RPG. Et il est vivant, il n'est pas mort. Vous le dites, vous vous glorifiez. Et à la sorte que Dieu lui a fait, puisque n'oublie pas, « Inna Allah ya'atul mulki min yatasha » Dieu donne le pouvoir à celui qu'il veut. Si Mamadi a reçu dans le coup d'État, parce que Dieu était avec lui quelque part. Bien sûr. Si Dieu n'était pas avec lui, il ne pourrait pas réussir. Bien sûr. Alors toi, tu viens, tu t'inventes de ça. Que c'est toi qui as maudit cela. Moi, j'ai peur. Ouais. J'ai peur pour deux choses. Ouais. Aujourd'hui, les affaires religieuses, ils sont en train de montrer que les Guinéens peuvent se regarder entre eux, parler et trouver la solution entre eux. Merci à Alain Cheikh Ouna Souma. Et il n'y a pas que ça. Aboubakar Diallo. Ouais. Merci plutôt Alain Salou. Alain Mohamed Salou Kamara. Alain Mohamed Salah Kamara, je vais parler de grand imam de la mosquée et en même temps, grand imam de la grande mosquée Faisal. Bien sûr. Je vais parler également à celle de chrétien que je ne connais pas son nom. Ouais. Je vais parler à M. Selou Dalen Diallo. Je vais parler à tous les cadres d'RPJ Arc-en-Ciel. Je vais parler de M. Sidi Atouré. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Non. Je vais vous dire que moi qui vous parle, j'ai la chance de parler avec Dalen souvent. J'ai la chance de parler avec Alpha lui-même. Ça, je ne vous mens pas. Ouais. Et je connais chacun d'eux. Ils sont en train de se battre pour que, vraiment, bon, ça me rend triste quand elle me dit, par exemple, mon lim, ça me fait très mal. Quand il y a le mort d'homme, c'est compté toujours au rang de mes partis. Donc, même lui, il est fatigué. Ouais. Honnêtement, je vous dis la vérité. Ouais. Alors, donnez-nous la main pour que la dialogue soit déclenchée, que jamais, jusqu'à le jour de vote, que le sang guinéen sera interdit d'être coulé pour les futilités. Honnêtement, la politique Aboubakar Diallo, j'en avais marre. La futilité, c'est un gâteau que vous allez mettre entre vous. Toi, tu prends quel morceau? Moi, je prends le morceau à droite. Toi, tu prends quel morceau? Moi, je prends le morceau à gauche. Le pouvoir politique, c'est ça. Ce n'est pas le sentiment qui lie les hommes, c'est les intérêts. Et si toi, tu meurs dans ça, tu as perdu. Et tu as fait perdre ta famille. Bien. Alors, c'est pour cela... Je parle ce matin, Kontigi, encore une fois, le vieux professeur Alpha Condé lui a donné 3 4-4. Il y a des montants, Aboubakar. Ouais. Je me réserve de ne pas tout dire. Mais je vais vous dire, pour la première sortie de Kontigi de la Basse-Côte, aller vers les 8 préfectures, le budget était à 500 millions de francs guinéens. C'est à moi que le PD a réuni, je le réunis. Celui qui te fait ça, si aujourd'hui, là, dans cette situation, tu n'as pas besoin de cracher dans sa soupe, c'est pas normal. Donc, il a reçu puis, tous ses moyens pour aller battre campagne en faveur du 3e mandat, c'est ça? Mais oui, bien sûr. Je te dis que la divorce, d'abord, la divorce est déclenchée où? Oui, allez-y. Aboubakar. Oui, allez-y. Expliquez-nous. En 3 minutes. Quand on a réuni plus de 500 imams, ici à Dobrika, chez Alain Cheikh Ouna. Et ces jours-là, tout le fils de Basse-Côte, presque ceux qui accompagnent Alpha dans son projet de référendum et le 3e mandat, ils étaient là. Je me rappelle, on a déposé 200 millions. Pour ceux qui sont lus le courant, je vais vous dire la vérité, là où la divorce a commencé. Et c'est Alain Cheikh Ouna Souma qui a réuni plus de 500 imams chez lui pour prier pour Alpha, pour que le train suive son chemin. Le train du 3e mandat. Qu'il a mis en place. Honnêtement, je vous dis la vérité. Ouais. Et ça a été un grand succès. Vous pouvez demander aux journalistes qui étaient là. C'était rempli, tout le monde était là. J'ai dit plus de 500 imams. Donc, il m'a dit, écoute, le 200 millions l'a été. Appelle ton père. Minimum, les gens doivent avoir, ceux qui sont lus le coin, on doit avoir 1 million. Donc, on a fait le calcul. Il y avait minimum 400 et quelques. On a arrondi à 500. Donc, j'ai dit, écoute, je vais appeler le papa, je vais lui dire d'envoyer 300. Comme ça, si c'est 1 million, chacun peut avoir 1 million, ceux qui sont lus le courant ici, ce jour-là. Bien. Chose faite, j'ai appelé le président, au lieu de lui demander 300, je lui ai demandé 400. Il dit pourquoi? J'ai dit c'est les gens qui sont lus le Coran. Il dit mais j'ai envoyé 200. Je dis oui c'est vrai. Mais ils sont quand on a partagé les 200 millions aux gens c'était peu de joie quand même de donner 100 000 à un imam qui s'est déplacé jusqu'à Bofa. Et puisqu'ils sont venus partout, le 8 préfecture. Je vais parler de Télémilé, Kindia, Koya, Bofa, Fria, Dobrika, Forcaria, Fria. Boké, tout le monde était là. J'ai dit tout le 8 préfectures de la Basse-Guinée était chez lui. Pour te dire que l'ambiance entre le préfet et Kontigi était vraiment florissant et parfumée. Donc, nous tous on était surpris de cette dos à dos. Et je suis obligé de vous dire la vérité, puisque les Guinéens ont besoin de ça. C'est à cause de l'argent. C'est à cause de l'argent. Ouh là là. Donc, moi, c'est à cause de l'argent. C'est pas... Expliquez-nous, hein. Comment ça, à cause de l'argent, Moualim? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Serhouna a demandé plus. Justement. Et d'ailleurs, ces jours-là, je me rappelle de ce jour-là, je l'oublierai jamais. C'est moi qui ai appelé le président pour lui demander ça. Je dis que ça, c'est fini. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, maintenant, c'est de faire la sensibilisation. Je me rappelle à l'époque, le VI appelait ce genre de sensibilisation sous-marin. Ouais. Mmh. Ouais. Sous-marin. Ouais, oui, sous-marin, oui. Mmh. C'était le code sensibilisation sous-marin. Les sages qui ne sont pas avec nous, il faut qu'ils viennent. Ouais. Alors, le budget était jusqu'à 2 milliards. Mmh. Je le répète, parce que oui. Le peuple a dit quoi? Mais si c'est de la commerce, moi je ne suis pas là-dedans. Toi, tu connais un peu mon père. Bien. Ouais. Trop. Ouais, il a les ongles un peu crochus. Ouais. Voilà, c'est là-bas que un peu les déchets ont commencé. Ouais. Et là où il y a eu de vrais divorces, quand Alain Cheronachement, le vieux, il a envoyé tout ça, là, c'était bon. Il n'a pas donné l'argent, mais entre-temps, il est tombé malade. Et Alain Cheronachement n'a pas corrompu. Avec cette refus de donner l'argent, il n'a pas rompu. Il a continué avec lui. Et le vieux aussi n'a pas... Mon père aussi n'a pas rompu. Et moi et lui, on n'a pas plus parlé de l'argent. Il est tombé malade. Le président l'a pris, il l'a envoyé en Tunisie pour ses soins. Je vais vous dire une passage. Socialement, M. Boubacar Diallo, Alpha Condé, il est très social. Bien. Je retiens deux choses sur lui. S'il y a le décès, s'il te connaît, il se déplace lui-même. Ou bien t'envoie une forte somme pour gérer la cérémonie de ce décès. Donc, si tu es malade, moi qui je vous parle, il m'a évacué chez son propre médecin traitant, Dr Ben Sabah à Paris, quand j'étais malade. Bien. Et il a dépensé plus de 40 000 euros pour moi. Ça, je le remercie. Merci. Moualim, ce que nous allons faire pour vraiment continuer votre narratif sur, en tout cas, sur ce pan qui nous intéresse, sur la source ou le point de divorce entre, la source de divorce entre Alpha Condé et Lass Serhouna Souma, je propose de revenir et de garder votre position. On revient vers vous dans quelques minutes. Le temps donc de passer nos réclames et d'un nouveau point info sur nos antennes. On revient pour continuer cette interview avec Moualim Touré. Grand déballage à suivre, la suite du grand déballage à suivre dans la troisième partie de Mirador. Avec Milkana, vivez des moments de bonheur et de douceur avec vos enfants. Offrez-leur le meilleur, les délicieux desserts Milkana. Découvrez leur nouvelle recette extra crémeuse, source de protéines, avec de vrais fruits mixés et du bon lait de vache. Comme avant, ils vous accompagnent toute la journée, même hors du frigo. Milkana, la force du lait, la force de l'amour. Excusez-moi, le guet, c'est pas grave. Oh, désolé, c'était les interrogations. Non, t'inquiète. Mais attends, vous avez tous quoi à sourire aujourd'hui là? Mais tu sais pas? C'est la folie chez Mouna, regarde. L'internet n'est pas un luxe, Mouna vous l'avait dit. Offrez-vous une connexion illimitée jusqu'à 20 mégas avec la fibre optique au prix de 690 000 francs guinéens. Si, je répète, au vrai prix de 690 000 francs guinéens. Ce n'est pas beau ça? Et ce n'est pas tout. Mouna et Canal+, associent l'internet à votre abonnement télé. Recevez vos programmes TV via MyCanal tout en profitant de l'illimité pour une seule facture. C'est seulement Mouna qui fait ça. Pour vous abonner, appelez le 95 ou écrire à vente@mounagroup.com. Mouna Group Technologie, nous faisons mieux. Sous réserve d'éligibilité et de raccordement à la fibre. Bienvenue à la boutique de literie Nordine et Frères, spécialisée dans la literie, les abayas, les hijabs pour femmes et les djilbabs pour hommes et enfants. À la literie Nordine et Frères, vous trouvez sur place des draps doux, moelleux et de qualité pour un bon sommeil, des rideaux avec des finitions parfaites, disponibles en 2 et 3 pièces, des couvres matelas, des pyjamas, des kaftanes pour hommes, femmes et pour enfants à moindre coût. La boutique Nordine et Frères dispose de tout ce dont vous avez besoin pour créer votre oasis de sommeil parfait, un habillement simple, élégant et responsable en toutes circonstances. Pour vos tenues de fête et de cérémonie, vos tapis de prière, vos moquettes maison ou bureau, Nordine et Frères est là pour vous aider pour trouver le meilleur choix qui convient le mieux à vos besoins et à votre budget. De plus, nous nous engageons à vous offrir un excellent service client et à vous garantir une satisfaction totale. Nous sommes là pour vous aider à trouver la literie de vos rêves et de vous assurer des tenues qui conviennent à tous. Adresse Madina, route Niger, en face du centre Madame Barry. Téléphone 621 94 56 66 et à Coloma Marché 628 54 64 46. Nordine et Frères, le bon prix pour dormir et s'habiller. Welo welo aduna tigi tigi kidon yidi salam lemu ne salam pom no kasahara ko salam mango e ankadi salam bunye non he fi hodu hina salam jillado ene joni non ko hondum buranio he ko no min kala ko woni ji salam no wela la salam Julie gefi kala ko yidu donko salam souriez à la vie. Le vrai goût de la nature. Alors, vous êtes plutôt salam orange, salam pomme, non, salam mangue peut-être, et salam ananas, pourquoi pas salam multifruits? Mais vous aussi, finalement, vous préférez quoi? Moi, j'aime tous les jus salam, j'adore. Salam, des jus de fruits naturels pour tous les goûts. Salam, souriez à la vie. Girere la dia. Ora ile salam le munudale dumayenge. Salam pomdo. Eh ile fana. Salam makorotado. Neke ni salam kabibitadi do. Eh munedo tanya basano otado. Eh ile koni makona botopa. Iye moko boto. Eh abe ju salam be dumanye. Abe kakabo. Salam girede ngena ma dia sbedola de ni menna. Salam souriez à la vie. Dans l'après-midi d'hier jeudi, sur la ville a provoqué de nombreuses inondations, notamment au quartier Roréfello, dans ce quartier situé sur la nationale Mamou-Conakry. Plusieurs inondations ont été enregistrées dans certains garages mécaniques, mais également des habitations ont été envahies par les eaux de ruissellement. L'antenne de la société de téléphonie Celcom n'a pas aussi été épargnée par les intempéries. Elle a été arrachée par les vents violents. Pour l'heure, aucune perte en vie humaine n'a été signalée. Sur le continent, à Madagascar, la Gazette de la Grande Île les locaux de la Gazette de la Grande Île ont été réquisitionnés ce 30 mars, 5 jours après l'arrestation et l'incarcération de son propriétaire Lola Razoa Mahaura. Il est poursuivi pour tentative d'extorsion de fonds, diffamation, menaces et injures suite à une plainte déposée par une opératrice économique. Mais une nouvelle plainte envers le quotidien pour arriéré de paiement datant de 2016 aurait été émise par la Compagnie nationale d'eau et d'électricité. Ailleurs, Donald Trump a été inculpé hier jeudi dans une affaire d'achat du silence d'une actrice de films pornographiques en 2016 et devrait comparaître le mardi 4 avril devant la justice pénale de New York. Un fait historique sans précédent pour un ancien président américain qui dénonce une persécution politique. Ainsi prend fin ce soir de l'actu. Merci à tous de l'avoir écouté. Avec Nicana, vivez des moments de bonheur et de douceur avec vos enfants. Offrez-leur le meilleur, les délicieux desserts Milkana. Découvrez leur nouvelle recette extra crémeuse, source de protéines, avec de vrais fruits mixés et du bon lait de vache. Comme avant, ils vous accompagnent toute la journée, même hors du frigo. Milkana, la force du lait, la force de l'amour. Excusez-moi, le guet, c'est pas grave. Désolé, c'était les intempéries. Non, t'inquiète. Mais attends, vous avez tous quoi à sourire aujourd'hui là? Mais tu sais pas? Non. C'est la folie chez Mouna. Regarde. L'Internet n'est pas un luxe. Mouna vous l'avait dit. Offrez-vous une connexion illimitée jusqu'à 20 mégas avec la fibre optique au prix de 690 000 francs guinéens. Si, je répète, au vrai prix de 690 000 francs guinéens. Ce n'est pas beau ça? Et ce n'est pas tout. Mouna et Canal+, associez l'Internet à votre abonnement télé. Recevez vos programmes TV via MyCanal tout en profitant de l'illimité pour une seule facture. C'est seulement Mouna qui fait ça. Pour vous abonner, appelez le 95 ou écrire à vente@mounagroup.com. Mouna Group Technologie, nous faisons mieux. Sous réserve d'éligibilité et de raccordement à la fibre. Bienvenue à la boutique de literie Nordine et Frères, spécialisée dans la literie, les abayas, les hijabs pour femmes et les djilbabs pour hommes et enfants. À la literie Nordine et Frères, vous trouvez sur place des draps doux, moelleux et de qualité pour un bon sommeil, des rideaux avec des finitions parfaites, disponibles en 2 et 3 pièces, des couvres matelas, des pyjamas, des kaftanes pour hommes, femmes et pour enfants à moindre coût. La boutique Nordine et Frères dispose de tout ce dont vous avez besoin pour créer votre oasis de sommeil parfait, un habillement simple, élégant et responsable en toutes circonstances. Pour vos tenues de fête et de cérémonie, vos tapis de prière, vos moquettes maison ou bureau, Nordine et Frères est là pour vous aider pour trouver le meilleur choix qui convient le mieux à vos besoins et à votre budget. De plus, nous nous engageons à vous offrir un excellent service client et à vous garantir une satisfaction totale. Nous sommes là pour vous aider à trouver la literie de vos rêves et de vous assurer des tenues qui conviennent à tous. Adresse Madina, route Niger, en face du centre Madame Barry. Téléphone 621 94 56 66 et à Coloma Marché 628 54 64 46. Nordine et Frères, le bon prix pour dormir et s'habiller. No kasahara ko salam mango e ankadi salam punye non hey fi hodu hina salam jillado ene joni non ko holdum buranio he ko no min kala ko woni ji salam no wela la tek salam juli ge fi kala ko yidu donko salam souriez à la vie. Le vrai goût de la nature. Alors vous êtes plutôt salam orange, salam pomme? Non, salam mangue peut-être. Et salam ananas? Pourquoi pas? face à la multifruit. Ah, mais vous aussi, finalement, vous préférez quoi? Moyen, j'aime tous les jus salam, j'adore. Salam, des jus de fruits naturels pour tous les goûts. Salam, souriez à la vie. Girete la via. Ora ile salam le munutale dumayenge. Salam pomdo. Il est fana. Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Troisième et dernière ligne, troisième et dernière partie plutôt, compte de cette émission. Nous sommes ensemble encore pour 45 minutes. Merci de continuer de réagir sur nos différents canaux. Dans un instant, on va s'occuper de vos messages. Et voilà, il faut le préciser, on va rester sur cette interview au déballage de Moualim Touré, donc qui s'exprime chez Mirador. Vous le suivez depuis 9h15 sur nos antennes. Dans un instant, donc on va prolonger le débat avec lui. D'ici là, on va partir avec vos réactions sur différents canaux. Allons d'abord sur Facebook pour collecter, plutôt pour prendre en compte les réactions collectées par Ibrahim Assila. Abdoul Salam Toulel Diallo du modèle. Bonjour à Bakar, à toute l'équipe de Mirador. Et bonjour à mes parents de Lafou dans Lelouma. Bonjour à Horé Bombi. Où se situe mon Toulel natal à Bakar? Arrêtez ceux qui manifestent n'est pas la solution. Faites en sorte de satisfaire leurs demandes, c'est mieux, car les jeunes de l'abbé se préparent aussi. De passage, je dis bonjour à Fonike Mengue et compagnie. Cet autre, c'est Barry Abdoulaye Fougoumba. On va essayer de prendre le maximum. Bonjour Mirador, welcome back, le guide médiatique guinéen, merci. Et tu nous avais manqué, sache que nous, auditeurs de cette émission, nous sommes toujours prêts à mener le combat. Je pense que ce message, on l'a déjà pris en compte. On enchaîne avec Siradio Sunking Diallo. Bonjour Mirador, bonjour à Broual Sunking. Pourquoi en Guinée, on aime briser dans le satanisme et le mensonge la vie des gens? Pourquoi garder des honnêtes et sincères gens en prison? Une pensée à Fonike, Ibrahim Diallo et Bilo Siradio Sunkin Diallo, coordinateur du club Donkin pour l'émergence de Broual Sunkin. Sampoli Afode Bangali Fofana. Bonjour à Aboubacar, bonjour à Bissi Krima et bonjour à toute l'équipe de Mirador. Bon Aboubacar, brûler l'effigie du lion noir, le sauveur à Cancan, est une manipulation, sinon l'autre a fait 11 ans. Même le brin d'allumette, il ne nous a pas donné. Voilà la vérité cachée. Mais ça ne marchera pas, car ce lion noir est venu pour sauver la Guinée. Signé Sampoli Afode Bangali Fofana. Cet autre, Aloussène Toulel. Bonjour les Miradors. Bonjour ma télémélé natale. Bonjour particulier à ce voyant journaliste Aboubacar Diallo. Merci. Alpha Condé a proprement persécuté l'âge Ousmane Fatako, mais le vieux a toujours tenu debout grâce à Dieu, puisse Allah l'accueillir dans son paradis céleste. C'est un monsieur qui ne fait pas de bruit, mais qui travaille dans l'ombre, qu'Allah lui réserve le paradis. Allez, cet autre Mohamed Al-Silla, bonjour, le Manfavelo Toumbarek de Film FM, à l'occurrence Aboubacar Diallo, merci. Et là, Sunakati Souma doit beaucoup faire attention à travers ces différentes sorties d'aujourd'hui. C'est des sorties qui nous n'auront pas, nous, les fils de la basse-côte. Franchement, quand il était avec Alpha Condé, il y a ce qu'il n'a pas dit. Il y a ce qu'il n'a pas dit, combien du professeur Alpha Condé. J'ai dit bonjour à Tata Diara Djirassi, le cauchemar de nos cadres, nous t'aimons très bien. Allez, Ibrahim Danta Mba, bonjour le juste, le 10 des médias en Guinée, bonjour à Gadabilo chez moi, bonjour à Kassongi chez mes oncles, et bonjour à Mboukéa, chez ma belle famille, bien entendu, Aboubacar. Bon retour parmi nous, et en vous écoutant relater les hommages rendus à l'âge Ousmane Baldé, j'ai les larmes aux yeux. Comme l'a dit Kotouri, on ne peut que souhaiter une telle fin pour un musulman. Allez, on enchaîne avec Tidiane Barry de Kobaya. Bonjour le Turbo Aboubacar Diallo et bonjour à toute l'équipe du jour. C'est Tidiane de Kobaya, l'enfant de Télémélé. Aboubacar, il y a beaucoup d'auditeurs qui avaient réclamé la justice pour la manifestation des Cancans et que si c'était sur la route de le prince, que ça allait être une autre chose. Alors, chose faite à Kankan, aussi, tous les fauteurs de troubles publics sans preuve seront arrêtés désormais. Et je termine en demandant au colonel Mamadou Doumbouya de poursuivre le reste d'anciens dignitaires de temps de Comté à Condé, sans exception. Ils sont là et connus de tous, mon colonel. Allez, Ismaïl Doumbouya. Bonjour Mirador, bonjour Monsieur Diallo, le chef d'orchestre de Fume FM, et prends rétablissement à toi malgré que les Diallo ne supportent pas le ramadan. Suivez mon regard. Titi, je souhaite que ce procès soit un moyen de réconciliation, hein, en ne disant que le droit. En tout cas, les témoignages tournent en faveur de Manfavelo pour le moment, l'homme qui, pour autant, était peint en noir dans ce dossier du 28 septembre. Thierry Le Madrilène de la plateforme des auditeurs de Fume FM. Bonjour à Boakar, le juste, bonjour à tous et bonjour à mes parents de Bataba, d'Andjari Labé et ceux de Fatako dans Tougué, où sera inhumé ce vendredi le regretté Elhadj Ousmane Baldé. Que son âme repose en paix. Amine, le CNRD devrait faire beaucoup attention par rapport au délestage du courant à la fin du règne d'Alpha Condé. C'était comme ça. Les mouvements partout en Guinée, aux autorités de faire beaucoup attention, sinon les mouvements risquent d'emporter beaucoup sur leur chemin. Bonne journée, les vigiles de la démocratie. Ansoumane Faro, sur la sélection proposée par Ibrahima Silla. Bonjour mon inamovible et à toute l'équipe de notre Miroir d'Or. Bonjour ma sous-préfecture natale, Cancéria, aux déchus, aux frustrés, aux promus. Mon message est clair, j'exhorte que nous mettions de côté nos divergences politiques pour construire une Guinée prospère, unie et solidaire. Le vivre ensemble doit être un cheval de bataille en tout instant, en tout lieu, pour chaque Guinéen, et pris de paix qu'il en soit ainsi, je vous en prie. Bonne journée de vendredi, bon ramadan à tous. Allez, d'autres réactions en 2 minutes avant de partir, de repartir au stand pour repartir avec Moualim Touré. On y va avec ces messages qui nous parviennent, voilà, sur d'autres canaux, avec Ataoulaye Mobatignel. Oh Dieu, oh mon Dieu, en l'écoutant, on sent ce qu'il dit est tout sauf la vérité. On n'a pas besoin d'écouter ce genre d'individus qui nous ont conduits à ce genre de pétrin de situation. Ils cherchent à caresser la nouvelle équipe. Voici des personnes que le CNRD et le gouvernement doivent se méfier, et estime Taoulaye Mobatignel. Allez, cet autre aussi qui s'exprime. On y va avec Alassane. Bonjour l'homme providentiel, merci à votre reporter pour le compte-rendu du procès du 28 septembre, mais il y a un aspect portant sur le dédommagement des leaders posé par un avocat qu'il a oublié. Monsieur Fall a répondu ne pas être intéressé par de l'argent, même si 500 milliards, pendant que d'autres ont reçu 2 milliards en coulisses. Paix à l'âme du doigt, Elhadj Ousmane Baldé, prends rétablissement à toi, cher frère, merci. Allez, cet autre, c'est Amara Bolokana, depuis Zérekoré, Abouakar. Nous avons un problème de réception de son ce matin, la qualité sonore du streaming n'est pas du tout bonne à Zérekoré, selon notre confrère du côté de Zérekoré, et ça c'est vraiment à l'intention de notre patron du digital. Adramanso, bonjour mon cher ami, voilà pourquoi vous ne lisez pas mes messages. Chaque jour j'écris, depuis que Mohamed Kaba est parti, vous n'avez pas lu mes messages, ou bien il y a des conditions, sans cravate. Voilà, si le message était là, il serait passé. Voilà, il faut croire à la franchise du jeune, que ce n'est pas leur mouvement qui est l'auteur de la manifestation à Kankan. Voilà, et merci bien. Voilà, c'est voilà, une autre autorité qui nous envoie ce message, qui estime qu'il faut croire à la franchise de ce jeune. On y va avec Corboya Baldé qui s'exprime. Bonjour, ma star chérie, je remercie beaucoup votre invité du jour, monsieur Moualim Touré, pour avoir recadré celui qui a soutenu tous les régimes dans ce pays. En plus, je confirme, le Fama Alpha Condé était un grand homme hyper social. Il nous manque beaucoup, selon Corboya Baldé. Voilà, 2 dernières réactions avant de continuer. Cette fois-ci, à Aboubacar Big Up qui s'exprime du côté du PADES. Bonjour, cher Romo, et à toute l'équipe. En écoutant ce Moualim, vous comprendrez exactement qu'Alpha Condé a fait beaucoup plus de mal à ce pays que l'on peut imaginer. Alpha Condé toujours a été dans la logique qu'avec l'argent, le Guinéen est capable de faire tout. Savez-vous que son règne utopique de troisième mandat a coûté plus de 100 millions de dollars aux contribuables guinéens? C'était les mêmes pratiques dans toutes les régions administratives du pays. Très bon vendredi à vous. Enfin, notre ami, notre confrère Habib Marwan qui s'exprime, voilà, c'est passé plusieurs messages à la fois. Bonjour Titi, j'étais au cœur des dernières confidences de feu général Fasciné Touré qui fut un grand ami. Contrairement à la version de Moualim, feu général Fasciné Touré s'est confessé à moi. Il était le choix bel et bien de Coran Alpha Condé et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on lui avait dit de démissionner de la tête de son parti à l'époque pour qu'il trône sur le fauteuil de Kuntigi. C'est à la réunion des sages que le général a été surpris du ton de certains religieux. On le soupçonnait d'être une marionnette de Koro. Titi, vous pouvez demander à Siré Baldé de Vision Guinée de vous passer le son de l'interview. Je suis totalement opposé à cette version de Moualim. Et voilà, c'est voilà. Titi, pour confirmer mes dires, vous pouvez demander à Adja, peut-être Nantene, ancienne mairesse de, non, Adja Nané plutôt, ancienne mairesse de Matam. C'est à la mairie de Matam qu'on a eu qu'ont eu lieu toutes les réunions. L'ancien député Demba et Amigou Conté, ancien ministre, sont mieux placés pour parler de toutes les implications pour le choix du Kuntigi. Et Moualim n'a pris part qu'au jour d'intronisation, selon voilà, notre confrère Habib Marwan. Allez, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est de retour? Voilà, sans transition, Talibé Barry, on revient avec Moualim Touré. Alors Moualim, vous nous expliquez donc que le divorce entre Alpha Condé et Lansé Sekouna est lié à un problème d'argent parce que, en tout cas, à vous en croire, Lansé Sekouna demandait trop d'argent au président Alpha Condé au compte de la campagne pour le troisième mandat. Est-ce que finalement, le jour où le domicile de Lansé Sekouna a été gazé, est-ce que pour Alpha Condé, c'était une façon de lui faire payer sa trahison en quelque sorte? Bon, dans toute honnêteté, selon les renseignements qu'on a eus à l'époque, d'ailleurs, c'est ce qui m'a poussé à passer à une émission, vous allez regarder dans mes archives, ouais. Là où je condamnais à l'époque l'attitude de notre Kuntigi, quand il a demandé en bon soussou, Wokeli, Basse-Guinée, Forêt, Moins-Guinée, celui qui n'a pas de fusil, prenez le béton. On va chercher ce régime-là. Encore une fois, je le répète, il n'avait pas besoin de dire ça à l'époque. C'est pour cela, à l'époque, j'ai dit, je le rappelais, et le Kuntigi, un Kuntigi, c'est de prendre un bidon de l'eau, tu le mets sur ta tête pour éteindre le feu. Mais ce n'est pas prendre un bidon d'essence, mets sur ta tête et là le mettre dans la poche. Tu risques de brûler tout le monde. Quand vous regardez dans mes archives, ils sont là-dedans. Ce genre de propos et en même temps a été suivi par une grande réunion chez lui. C'est ce qui a provoqué la colère des gouvernements à l'époque, l'autorité en place. Ouais. Et je vais vous dire la vérité. Encore une fois, je le répète, entre Alpha et Alain Cheikhouna Souma, c'était vraiment mon neveu, mon oncle. La divorce est déclenchée entre eux quand c'était trop demandé. Voilà. C'est au fait. Aboubacar, donc, je me force. Donc là, c'est quelqu'un qui est trop porté sous l'argent. Non, non, non. Moi, je me force à m'exprimer pour deux choses. Oui. D'abord, pour l'intérêt des dialogues. Ouais. Sinon, je vous le jure devant Dieu, je m'en fous. Je ne dis rien. Mais d'abord, mon père s'appelle à l'âge Cheikh Abdoulaye Touré de Mouria. Ouais. Ma mère, Hayamar Masre Souma, dans Kinsan Sangoya, sous-préfecture de l'Insan, de Kindia. Je suis guinéen 100%. Regarde, dans l'air, là, il n'y a pas de manifestation. Boubacar, même si tu n'as rien, tu quittes chez toi, dans une liberté totale. Ouais. Tu rentres chez toi, dans une liberté totale. Et quand on dit qu'il y a les manifestations, les vieillards qui prennent l'air Kobokobo et l'air légumes pour venir descendre à Conakry les vendre, ils ne peuvent plus descendre ici. Les gens ne peuvent plus quitter à Conakry d'aller vers Kindia aller chercher à manger. Et tout est paralysé. La Guinée a besoin de ça? Ben non. Aujourd'hui, ce que nous vivons, moi, je crois que nous allons renforcer ça pour que la dialogue la continue. C'est pour cela que je le rappelle encore une fois. Donc en définitive, Moualim, là, Serna a eu tort de faire cette déclaration. Non, c'est une faute. C'est pas bon. C'est une maladresse. De dire, d'abord, le propos d'un Kounti, quand on dit sage, le mot est là. Le mot est là, ça l'accompagne, le mot même définit elle-même. Abouakar. Oui. Abouakar, permettez-moi de m'acquitter un devoir. Oui. Vous savez, quand on parle de noblesse, la noblesse n'est pas la naissance. C'est l'acte et le comportement qui définit l'homme, être noble ou pas. Je vis ici, moi, devant moi. Alors, il faut de vous, je fous, Fana. Le perdant, c'est moi qui ai appelé le perdant. C'est moi qui ai appelé, alors il faut de vous, je fous, Fana. Je le passe le président. Le perdant. Quel est l'âge Fodé Fofana? Bonne guerre, c'est. Fodé Fofana de l'UFDG? De l'UFDG. Devant moi, le perdant lui a demandé de rejoindre les trains. Et crois-moi, s'il acceptait ce jour-là, plus tard, en une semaine, il va avoir un bon décret. Mais il a dit, par la noblesse, il dit, on y a, mon homme délinque, mon homme qu'il d'arôme. Bien. Et deuxièmement, je vais passer encore, je vais dire ici, devant votre zone, j'ai vu Kachori refuser d'être Premier ministre en 2015. Kachori devrait être Premier ministre depuis 2015. Vous savez pourquoi? Non. Ça n'a pas été fait puisque tout simplement, il a dit au président devant moi, après leur réconciliation, le président a dit, moi j'ai mon Premier ministre. Il a dit, en bon chouchontara, mon nom, je ne suis Premier ministre. Le président a dit, pourquoi? Il dit, mon nom, mon monsieur, il faut faire un remplacement. Un cousin nara, gars qui est en Karama Mouria. Il, au nom de ma mère, sur mes 5 prières sur le Coran. Bien. Il a dit au président qu'il ne peut pas être Premier ministre pour que la petite sociale et cette famille fraternité reste vivante à Forcaria. Je vais dire ce passage-là aux Guinéens. Il faut refuser le bonheur pour faire avancer la paix dans ta famille, dans ta foyer et dans ta région. Très bien. Est-ce que le propos du vieux envers Alaï, professeur Alpha Condé, quelqu'un qui t'a donné quand même 3 pick-up, 3 véhicules, cadeaux, quelqu'un qui t'a mis dans l'avion, il t'a envoyé, allez te soigner. Si aujourd'hui quelque chose l'arrive comme malheur, quelle que soit votre différence, il faut dire inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il ne faut pas rigoler sur ça. Il ne faut pas danser sur le malheur de ton prochain. Bien. Ça ne se fait pas. Voilà qui est bien dit. Voilà, Moualim Touré qui était en direct sur Film Guinée. Moualim, il nous reste plus qu'à vous dire merci, sauf si vous avez peut-être un dernier message à passer, Moualim. Bon, mon dernier message, c'est de dire au gouvernement de président Mamadi Doumbouya de continuer à pousser la Guinée vers la dialogue, qu'on se parle entre nous, et d'écouter aussi, la fois passée, j'ai écouté la prêche de Alain Salou Kamara. Quand tu écoutes sa prêche, là où il a dit, je remercie les forces vives, ils m'ont écouté, il nous a écouté, j'ai pris Dieu que le gouvernement de Mamadi Doumbouya aussi écoute les sages, les imams. Encore une fois, je demande au gouvernement de transition, quand on parle de dialogue franc, quiconque dit au gouvernement de Mamadi Doumbouya qu'on peut dialoguer sans Cellou Dalein Diallo en Guinée, elle est en exil. Sidi Touré en exil. Les Kassouri, les Mamadi Diané, tout le monde en prison. C'est-à-dire les ténors des partis d'RPZ Arc-en-Ciel, ils sont en prison. Je crois qu'il reste encore beaucoup à faire. Sans ces gens-là, puisque aujourd'hui, moi je dis, j'ai vu des gens autour d'Alpha qui disaient que le dieu de la Guinée. Il y a ce groupe-là à côté d'un chef qui peut faire croire au chef qu'il ne mourra jamais, qui peut faire croire au chef que quand il rêve d'avoir mangé avec le prophète, l'autre dit à côté de lui, oui, il portait des bonnets blancs. Le chef doit beaucoup faire attention. De temps en temps, il n'a qu'à écouter la réalité. Il n'a qu'à écouter son cœur. Il n'a qu'à écouter aussi sa famille qui sont plus proches de lui. Bien. Pour finir, Abouakar, je vous remercie. Bien. Ce que j'ai dit ce matin, ce n'est pas contre Kountigui, c'est pour la paix pour ce pays-là. Bien entendu. Et je demande au parti RPG Arc-en-Ciel, tout le monde était choqué quand ils ont entendu le propos-là. Je leur demande pardon. Je leur demande pardon pour le bonheur de ce pays. Bien dit. Je leur demande pardon pour que la Guinée aille en avant. Et je prie Dieu, ça va tomber dans les mauvaises oreilles. Je prie Dieu aussi pour Mamadi, que Dieu le garde, que bien. Dieu veille sur lui. Ce que les Guinéens ne comprennent pas, par colère, si tu maudis un chef d'État, s'il est dans le bonheur, le pays est dans le bonheur. S'il est dans le malheur, c'est les mesquines qui vont vomir le malheur. Bien. Alors, bien. Peut-être, Talibé, une petite question pour la fin, oui. Et quel conseil vous donnez au président Alpha Condé, dont certains militants, certains responsables du RPG, au siège du RPG, ont dit qu'il allait revenir et reprendre son fauteuil? Bon, vous savez, chacun est libre de rêver qu'il est dans le paradis Oudoussi, je vais parler, ou bien paradis Verdaus, je vais parler de première planète de paradis. D'ailleurs, c'est la planète le plus beau, il y a 41 fois que le monde qui peut sortir là-dedans. Tu peux rêver, Abakar Diallo, d'être là-bas, ouais. Mais c'est Dieu qui va t'amener là-bas. Alpha Condé, aujourd'hui, si tu le demandes, quand est-ce que tu veux être à Cheikh Touria, avec le privilège qu'il a, le douceur de pouvoir qui est accompagné par le bonheur, il va être certainement qu'il viendra. Mais appartient à Dieu de leur dire non, Alpha, c'est fini pour toi. Ou bien c'est pas fini pour toi. Ça appartient à Dieu. Mais le conseil que je vais lui donner en tant que fils au père, ça je le donne souvent à Dieu. Je ne peux pas le donner sur la place publique. Sur la place publique. Bien. Et pour répondre un peu rapidement, ces fameux questions, quelqu'un a envoyé un SMS tout de suite concernant mon oncle Fasné Touré, que tout a été mis en place pour... Oui, c'est le journaliste Habib Marouane. Ouais. Voilà, non, écoutez-moi très bien. Vous pouvez aller demander Kassouri, c'est faux. D'abord, lui, le vieux n'était même pas candidat. Fasné, il ne s'occupait pas de ça. C'est les gens. Pourquoi les gens ont choisi Fasné? Par sa persévérance. Et pourquoi, je vais vous dire. Chez Fasné, vous vous souviendrez, c'est là-bas que le professeur Alpha Condé avait signé l'accord cadre politique de la Basse-Côte. Là où il a donné 25% de l'administration au Basse-Guinée. Là où il a donné il a promis la primature au Basse-Guinée. Là où il a promis le gouvernorat au Basse-Guinée. Là où il a promis les affaires religieuses. Des affaires religieuses à la Basse-Guinée. Je profite ici de vous dire, il y en a aussi qui étaient opposés politiquement à Alpha, parmi les sous-sous qui disaient non, Marou, il respectait. Attention. Certes, il n'a pas tout respecté, mais vous avez vu jusqu'à son départ, c'est la Basse-Guinée qui détient la primature. Bien sûr. Ça, il a respecté sa parole. Ouais. Et vous vous souviendrez, jusqu'à son départ, le gouvernement, d'abord, Resco a été confirmé après Resco sur Bassourel, après le décès de Sorba Sorel, général Matron Bangoa. Et ça aussi, il a respecté. La divorce entre lui aussi et Fasné. Fasné a demandé qu'il n'a qu'à respecter, fait Fasné à son âme, il n'a qu'à respecter les 25%. Bon, souvent, en politique, ce qu'on dit à la conquête du pouvoir, et quand tu as là dans la poche, c'est ce que tu fais, ils font des... Bien. C'est ça aussi la politique. Moualim Touré, voilà, comme on l'aime. Grand merci à vous, Moualim. Merci d'avoir accepté notre invitation ce vendredi à ce Film Guinée. Merci à vous. Merci à vous. Bien. Merci. Que Dieu vous protège également. Moualim Touré était en notre compagnie ce vendredi. Mirador continue. Film Info. Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Bien, un dernier coup d'œil sur vos réactions avant donc de commenter ce passage, cette interview de Moualim Touré chez nous ce matin. On y va très rapidement, en 2 minutes. Je sais que voilà, nos chroniqueurs impatientes de prendre la parole. Condé Adama Sanaba depuis Moscou. Bonjour à Bakar et bonjour à mon ami Sakolo Natal. L'attitude de la Serouna Souma ne doit surprendre aucun Guinéen informé. À mon avis, l'attitude est une seconde nature. Cet homme est vieux par l'âge et non par la sagesse, mais Dieu récompensera chacun de nous tous. Les 95% des personnes qui ont divorcé d'avec Alpha Condé, c'est soit à cause de l'argent, soit à cause des postes. Allez, on continue avec ce message qui m'est transmis par Ouri. Bonjour Koto Ouri, transmettez ça pour moi, donc du modèle. Bonjour à Bakar, à toute l'équipe. Bonjour à mes parents de la Fouvala. Je pense que ce message, on l'a déjà lu. Excellence Konaté, bonjour. Mon cher Abouakar à tous, très heureux de vous entendre encore ce matin avec la même détermination et la même force à servir loyalement le peuple. Bref, nous avons bien compris que le CNRD a encore échoué dans cette affaire d'électricité. La junte a du pain sur la planche. C'est pour cela que nous disons que la vocation d'une transition est le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Allez, ce message aussi d'un auditeur. Bonjour à Bouakar, le chef suprême de la saison Barracuda. Bonjour à la reine de la maison Orange, Arissa Tousso. Et bonjour au grand juriste, Maître Alassane Ba, depuis Anta Tombolia. À Bouakar, aujourd'hui, nous constatons, depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir, les prix des denrées alimentaires augmentent de jour au lendemain dans nos différents marchés de la capitale, même au mois saint de Ramadan. Certains Guinéens ont du mal à se nourrir. Ensuite, je demande au ministre de l'Énergie d'interpeller les responsables des DG, voilà, de régler les coupures de courant électrique dans les différents quartiers. C'est Diallo Deguemakole, communicant de l'UFDG, et l'écoute est très favorable dans mon quartier à Anta Bereteya. Allez, d'autres réactions aussi très rapidement avec Kanfarande Naluta Djabi qui s'exprime. Bonjour à Bakar et bonjour à votre équipe commando de la saison Barracuda. Le lion puissant, le champion imbattable, son excellence le professeur Alpha Condé, président démocratiquement élu par le peuple de Guinée. Les pouchistes doivent comprendre que le peuple de Guinée est déçu d'eux. La majorité écrasante des Guinéens réclame aujourd'hui le retour de notre guide suprême, son excellence le professeur Alpha Condé, signé Kanfarande Naluta Djabi, soldat du PRAC. Allez, cet autre, voilà, on essaye voilà, de prendre les derniers très rapidement. Bonjour, je vous rappelle que dans les premières déclarations de prise du pouvoir par Mamadi, nulle part le troisième mandat y figure. Ce sont les journalistes et les acteurs de la société civile qui ont mis le troisième mandat dans les motifs du coup d'état du 5 septembre, selon un auditeur. Allez, ceux-là qui sont en prison n'ont-ils pas joué aussi leur rôle comme lui? Nous avons tous accompagné et joué un rôle chacun à sa manière. C'est Koumar Sissé, le RPGiste confirmé, qui nous envoie ce message. Allez, quelques réactions encore en une minute avant de clore. On y va avec cet autre, c'est monsieur Malik Sankon qui a fait de la Serouna le Kuntigi de la Basse-Côte, signé Adi Leno, qui nous envoie ce message. Abou Poutine Banko, bon retour avec nous, le juste Abouakar Tunyati Thomas. J'ai retenu un mot de Moualim, il ne faut pas mourir pour un politicien, qu'Allah accepte nos prières. Et voilà, l'avant-dernier, tout simplement, c'est Mohamed Fofana, avant de donc clore avec le sultan de Wassolo. Bonjour Mirador, mon Fama est inoffensif, un homme très tolérant, un président socialement inégalable, un président qui a partagé un repas avec ses pires contradicteurs politiques. 90% des cadres du CNRD ont bénéficié de la largesse du Fama et ses cadres. Si les mêmes personnes traitent nos cadres de voleurs, alors qui sont les receleurs? Il pose la question. Je souhaite un paisible Djouma aux otages politiques du CNRD qui sont détenus et séquestrés à la maison centrale de Coronti depuis 11 mois et 25 jours sans aucun titre de détention. On vous aime, cher leader, écrit Mohamed Fofana. Le tout dernier, c'est le sultan de Wassolo. Bonjour le baobab de Wassolo, bonjour à mon Sédakoro natal dans la sous-préfecture de Baro. Ce vieux a juste perdu du repère. Nous avons tous beau entendre voilà, les discours démagogiques de ce vieux, que d'autres pensent aujourd'hui qu'il est un dieu prédicateur. Pourtant, c'est une habitude pour lui de s'adapter à tous les régimes, lui permettant de gagner son petit pain. Alors, si réellement il est prédicateur, qu'il nous prédise dès maintenant la fin de cette transition. Bon sang de Dieu, le sultan de Wassolo qui s'agace un peu. La suite. Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée. L'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Bien, bah c'est quoi, on a écouté Moualim. Oui, on a... surpris. Non, je ne suis pas surpris, Aboubacar. Mais il dit quand même des vérités, il dit haut ce que certains disaient bas. Cette façon de faire la politique sous Alpha Condé était très malsaine. C'était très malsain, c'était très vilain, c'était nauséeux, sincèrement. Qu'on dise, par exemple, qu'on apprenne aujourd'hui que Alpha Condé a signé un accord, politique avec la Basse-Côte pour que 25% de l'administration revienne à la Basse-Côte. À cette région, oui. Oui, à cette région, et qu'il y ait des manœuvres aujourd'hui qui impliquent notamment les religieux, mais aussi les autorités morales pour son fameux troisième mandat. Parce que Moualim l'a dit, à peu près 500 imams issus des 8 préfectures de la Basse-Côte étaient réunis chez la Serouna. Absolument. En tout cas, pour bénir le troisième mandat. Le projet du troisième mandat. Sincèrement, Alpha Condé a détruit ce pays avant de partir. Mais je vous dis la vérité. Mais ce sont des manœuvres. Mais non, c'est pas quand même, il n'est pas allé attacher les gens pour les amener à souffrir de son projet. Il a détruit ce pays avant de partir. On ne peut pas comprendre cette façon de faire la politique à Boubacar, elle est malsaine, c'est ce que je vous ai dit. Aujourd'hui, je pense sincèrement qu'il faut tirer. Non, elle n'est pas propre à tout le monde. Elle n'est pas propre à tout le monde à Boubacar. Ouvrez un peu les yeux, mon ami. Non, à Boubacar. Non, elle n'est pas propre à tout le monde, s'il te plaît, à Boubacar. Elle est malsaine. Elle est malsaine à Boubacar. Non, mais tu fais preuve de quelle... Mais je vous dis la vérité. Non, mais c'est pas de la société. Mais c'est propre à tout le pouvoir. Mais imaginez ce qui s'est passé à Boubacar dans notre pays. Comment se fait-il qu'on peut débloquer des millions, des milliards de francs guinéens? On a vu ce que ce projet funeste de troisième mandat a coûté à la Guinée. Ça nous a discrédité. Je pense sincèrement qu'il faut utiliser, il y a des voies un peu plus rationnelles pour avoir le pouvoir. Il faut développer, présenter les projets de société à Boubacar Diallo. Si seulement tu savais, Basekou, les arcanes du pouvoir. Mais je le sais très bien, Boubacar Diallo. Je le sais très bien qu'il y a beaucoup de manœuvres qui sont utilisées, des sacrifices parfois, même humains, qui sont utilisés pour accéder au pouvoir. Aucun pouvoir n'en est exempt. Sincèrement, plus jamais ça à Guinée. On n'a pas besoin vraiment de ces pratiques-là ici. C'est vrai que c'est aussi un signal aussi qui est envoyé au CNRD, au gouvernement actuel. Oui, parce que selon certaines informations, nous apprenons qu'il y a des ministres aujourd'hui dont leurs soeurs, leurs épouses sont aujourd'hui nommées à des niveaux de responsabilité. Non, mais c'est pas aujourd'hui qu'on l'a. Oui, mais attendez, s'il vous plaît, Aboubacar. Mais c'est une vérité qui tombe sous naissance. Oui, tout le monde le sait, mon ami. Ce sont des pratiques justement aujourd'hui. C'est de l'adultoire, tout simplement. Oui, ce sont des pratiques sincèrement qu'il ne faut pas encourager dans d'autres pays. Le CNRD doit tirer des leçons, les enseignements de la gouvernance, de l'échec, en tout cas de la gouvernance du président Alpha Condé. Tout compte fait. En définitive, est-ce que Moualim t'a convaincu? Sincèrement, Moualim a dit ce que vraiment beaucoup de Guinéens savaient. Ce fameux troisième mandat, savoir que l'un des concepteurs de ce projet de troisième mandat, de ce projet funeste qui a plongé le pays là, a été concocté. Et là, le concepteur est Elhadj Serouna Souma. Elhadj Serouna qui a aussi mobilisé les imams vraiment. Selon Moualim. Oui, selon Moualim. À entendre Moualim. Oui, qui a réuni tous les imams. C'est ce qui fait aujourd'hui que nos imams vraiment doivent s'éloigner de la politique. Nos imams ne doivent pas devenir des entrepreneurs politiques. Malheureusement, des entrepreneurs politiques. Oui, parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Guinée, depuis autant de comtés, on a vu l'implication notoire de nos imams, de nos autorités religieuses dans les politiques. C'est extrêmement grave. C'est pour cela aujourd'hui leurs voix ne sont plus audibles dans le débat politique. C'est très grave, Boubacar Diallo. Pour beaucoup, ils sont complètement décrédibilisés. Et l'occasion qui s'offre à eux, au moins, en tout cas pour une fois, de se réhabiliter, de redorer leur blason. C'est religieux. Moi, je tente un peu de faire la différence entre l'autorité morale que représente Elhadj Serouna, donc une autorité plutôt à la tête d'une communauté, par rapport à ceux qui sont purement du cadre religieux, tels que Elhadj Mamadou Saliou Camara et tous les autres. Il y a une différence quand même qu'il faut faire de ce point de vue. Elhadj Serouna est plutôt une autorité morale, pas forcément une autorité religieuse. En tout cas, dans le cadre, dans le contexte dans lequel nous sommes, il n'est pas une autorité purement religieuse. Quand même, la sortie de M. Moualim Touré donne une autre lecture, en tout cas de ce que l'on pouvait avoir sur cette déclaration de Elhadj Serouna au décès de Elhadj Ousmane Sanloa. Vous savez, hier, moi, je disais dans ce studio, je dis le compte de la chasse raconté seulement par le chasseur sera toujours défavorable au lion. Bien sûr. Évidemment, c'était pour dire qu'on avait une version, c'était celle de Serhouna. Est-ce que c'est forcément la même version du côté d'Alpha? En tout cas, Moualim vient de nous en donner une compréhension plutôt différente. Ouais. Maintenant, beaucoup de choses à vérifier, à éclaircir. Est-ce que Elaye Serhouna a effectivement conseillé à Alpha Condé, ou plutôt demandé à ce que la basse-côte rende à Alpha Condé ce que la Haute-Guinée avait donné à Lansana Konaté? Est-ce que c'est là vérifié les 500 millions? Parce qu'à l'écouter, Elaye Serhouna est le tout premier Guinéen à avoir conseillé cela. Avoir conseillé cela à Alpha Condé. Avoir conseillé un référendum constitutionnel qui, donc plus tard, devait déboucher sur un troisième mandat pour Alpha Condé. Justement, ouais. Donc cette question des 500 imams et des 500 millions également, ouais, ouais. Les 2 milliards pour la sensibilisation, bien, les 3 pick-up sous-marine, ouais. Les pick-up, l'évacuation sanitaire et tout ça. Bon, l'évacuation sanitaire en soi, ouais. Je pense que ouais, ça relève d'un point de vue plutôt normal, ouais. Pour un chef d'État. Mais si en tout cas ces informations sont vérifiées, ça nous donne effectivement cette idée d'une autorité morale plutôt entrepreneur politique. Parce que c'est vrai que moi, je me suis beaucoup interrogé sur le point de fracture, ouais, entre Alpha Condé, ouais, ouais. Et Elaye Serhouna. Ça a été tellement rapide et tellement virulent que du jour au lendemain, ouais. Elaye Serhouna a rejoint le FNDC pratiquement. Ouais, bien entendu. Ça a été très rapide, ouais. Et ça a été très choquant, ouais, à ouais. la limite. Ouais. Alors que si on écoute Moualim, c'était dû à l'argent. En tout cas, ouais, à l'en croire. Si Moualim, c'est une question d'argent. Là, Serhouna était quelqu'un qui demandait énormément, et au point que finalement... Alpha Condé était agacé. Il était agacé, il ne pouvait plus financer. Donc, ça nous donne en tout cas une autre compréhension un peu de cette affaire, ouais. qui a opposé les deux hommes. Et puis aussi du fait que, en définitive, les gens... Moi, je suis allé. Les gens n'ont pas de conviction. Je suis allé jusqu'à. Ils que leurs intérêts. Je suis allé jusqu'à. Même pas les intérêts du pays. C'est ce qui ressort comme message. Non, mais pas du tout. Et c'est pourquoi. La dernière fois, moi, je suis allé jusqu'à dire que Elaye Serhouna est un acteur en réalité. Ouais. C'est un acteur. Et un acteur, il joue un rôle sur une scène. Un acteur atypique. Justement. Ouais. Il joue un rôle sur une scène bien déterminée. Ouais. Et pour chaque scène, il adapte un rôle. Bien. Et c'est cela que malheureusement, ce déballage-là nous montre finalement. Ouais, ouais. Mais pour ce qui est du Et aujourd'hui, le constat, selon beaucoup d'observateurs, c'est que Elaye Serhouna n'est plus du camp du FNDC. Voilà. Tout simplement. Non, mais ce n'est pas, bah, pas un secret polichinelle. Il serait du camp du CNRD. Voilà, ce n'est pas un secret polichinelle. Mais non, mais quand même. Mais il a combattu le troisième mandat. Non, il devrait rester sur la même ligne de crête quand même. Quand Serhouna vous dit que j'ai dit à Alpha qu'il m'a gazé, il partira sous les armes, ça vous donne un peu l'idée de la déception aussi qu'il avait de la fin de ses rapports avec Alpha Condé. Donc aujourd'hui qu'il rejoigne le tombeur d'Alpha Condé, ça ne devait pas être décevant. Même si je pense que même si c'est le FNDC, le coordinateur national du FNDC qui était au pouvoir, bah, Elaye Serhouna, il serait avec lui. Bien. Comme je vous l'ai dit, c'est une question d'un acteur qui joue un rôle, une scène bien précise, ouais. Dans un film bien précis. Ouais. C'est comme ça en réalité. J'ai l'impression qu'il se joue de tout le monde. Hein, et Alpha Condé l'a bien compris. Il a bien compris. C'est pourquoi, contrairement à Bassekou, son mode de gouvernance qui consistait un peu à dire 25% du gouvernement à la basse-côte, la primature à la basse-côte, c'était pas propre qu'à la basse-côte. Ouais. À la forêt, il a donné le Parlement. Ouais. À la Haute-Guinée, c'était non mais on ne peut pas en fait. Je veux dire, nous sommes après tout un pays qui est assis aussi sur des fondements sociaux. Vous ne pouvez pas faire fi de tout cela. Alors, vous ne pouvez pas dire que vous allez gouverner la Guinée sans tenir la basse-côte en tant qu'entité, la Haute-Guinée, le Manding en tant qu'entité. Est-ce qu'on a besoin de signer le plus important pour cela? Le plus les important, compétences partout. Le plus important, merci à tous les deux. Voilà, parce que les acteurs, il en a signé avec Lansana Kouyaté, il en a signé avec Ousmane Kaba, il en a signé avec beaucoup d'acteurs pour avoir le pouvoir. Merci. Mais le plus important, c'est que la gouvernance puisse emporter tout le monde, tous les acteurs. Importe l'accord que vous avez. Merci Manu. Même aux États-Unis, ça existe. Merci Manu. Voilà, je disais que j'ai l'impression que Elaye Serhouna, voilà, il a ce don de se jouer de tout le monde, de tirer toujours ses marrons du feu. Oui, mais les gens oublient que à l'origine, ou en tout cas des années avant d'être en amitié ou en tout cas en relation ou en intelligence politique, ou en relation politique avec Alpha, Serhouna a été président de l'association des maires de Guinée, ouais. En tant que président de la CRD de Tanéné. Bien entendu. Sous Lansana Conté, il a fait le tour de la Guinée comme messager de Lansana Conté auprès, pratiquement dans la plupart des communes rurales, ou en tout cas des communes du pays. Donc c'est quelqu'un déjà qui s'est frotté à la politique en tant que maire de Tanene. Bien. Donc que celui-ci, justement, par la suite, se retrouve auréolé du titre de Kuntigi de la Basse-Côte, il n'a pas réussi donc à se défaire de la politique et justement de tous ces coups bas qui arrosent ou constituent la vie politique. Et aujourd'hui, c'est peut-être que, comme mon livre le dit, il faut que les gens s'assument dans ce pays. Ouais. Lorsque vous avez, comme il en accuse Sekouna, été rencontré Conté, Alpha Condé, pour lui dire, allez-y à un troisième mandat, la Basse-Côte vous l'offre, la Basse-Côte vous soutiendra. Ça s'est passé devant des gens. Donc, et après, ce revirement qu'il a fait après ses soins en Tunisie, à l'époque ça avait fait grand bruit, jusqu'à demander de prendre des gourdins ou des bâtons contre le régime de Conté. Et le même avait dit, au plus fort justement des manifestations à un moment contre Alpha Condé, que quiconque mettrait le feu à un pneu, on le lui ferait porter. Vous vous rappelez, ses propos avaient fait, ouais, à l'époque, ouais, pour dire qu'il appelait à la violence et, et tout ça. Donc aujourd'hui, Emmanuel fait bien de dire qu'il faut faire le distinguo entre les notabilités comme religieuses et celles justement coutumières ou morales comme les Hella Sekouna. Mais malheureusement, voilà, on embarque des imams, bien. 400 imams, 500 imams, autour d'une cause, pour moi, je l'ai toujours dit, aussi funeste qu'un troisième mandat, ouais, c'était pas beau à voir. Ouais. Et pourquoi? Pour un petit montant d'un million par imam. D'un million, on vous met sur un chemin qui est problématique. Qui conduit le pays à Parce qu'à Bakar, il y a eu des dizaines de morts à cause de ce troisième mandat. Entendu, ouais. Et ces imams qui sont réunis pour lire le Coran afin que ce troisième mandat-là ait lieu. Dommage. Oui, Mamadou Ouri, votre regard sur la sortie de Moualim. Bon, vous savez, depuis le premier jour de cette émission, à chaque fois qu'on a parlé de la Guinée, j'ai dit que c'est un pays qui est malade. C'est un grand corps malade. Et quand j'écoute Moualim, ça me conforte dans ce que j'ai toujours dit, c'est que la Guinée a besoin de cette catharsis générale. Ouais. Je l'écoute, j'ai l'impression d'assister à une séance d'exorcisme. Mmh. Et qui dénote justement le mal profond du pays. Mais en même temps, de la politique telle qu'elle est exercée sous nos tropiques. Et ici, je pense que les fameuses variables lourdes d'Akoumba prennent tout leur sens ici. Bien entendu. Parce qu'il a rappelé les considérations ethniques, régionalistes, pour partager le gâteau, pour mettre tel fils d'ici par là, le fils de telle région par-ci. Ce n'est pas nouveau, on le voit, c'est des choses qui se font. Nous portons des gants souvent en parlant de ces réalités-là en tant que journaliste, mais il l'a dit de façon crue. Ouais. Et je pense que chacun se voit dans ça. Et par là, on doit tous tirer les leçons. Et c'est en cela que je termine en disant que cette fameuse catharsis, sincèrement, le pays en a besoin. S'impose. Si on veut décrire la chose telle qu'elle est, on serait assez désagréable pour l'auditoire, même pour nous-mêmes. Bien. C'est juste triste. Et pour cela, tu préfères vraiment... Je préfère me taire. Si vous permettez en 5 secondes, je pense que le cas Moualim Touré doit être une inspiration finalement pour cet exorcisme-là vers lequel on doit aller. Ouais. Pour dire qu'il faut que les hommes s'assument finalement. Les gens ont connaissance d'une bonne partie de l'histoire de ce pays. Il faut avoir le courage d'en parler. Moualim, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais caché, qui a toujours assumé, même au moment où ça a été le plus contradictoire. Bien entendu. On l'a vu, il a parlé publiquement, il ne s'est jamais caché. Bien. Diaraï, sur Moualim. Oui, moi, ce qui me sidère, c'est l'attitude des personnes à être très promptes à dénoncer ce que les autres ont fait, alors que eux aussi, ils étaient dans les rangs du pouvoir qu'ils sont en train aujourd'hui de peindre. Il faut se dire, c'est vrai qu'il y a la responsabilité. Moualim l'a dit que c'est seule la vérité qui va sauver la Guinée. Et je pense que cette vérité doit commencer par soi-même, puisque vous étiez dans les rangs de la gestion. Il va falloir commencer par comment vous aussi, vous allez soutenu tout ce qui s'est passé. Quel a été le rôle? Il est un des soutiens, des premiers soutiens du troisième mandat. Il a dit qu'il est le soutien, mais comment il l'a fait et qu'est-ce qu'il a fait dedans? Comme il l'a détaillé pour les autres, il ne l'a pas fait. Je suis malheureusement désolé pour cela. Bien. Vous savez, Malick Sankan aussi, il a parlé ici après le coup d'État. Il a juste présenté des excuses. Le fait, ce n'est pas de présenter des excuses. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui vous pousse à demander pardon? Parce que le peuple en a besoin. Le peuple a besoin de savoir qu'est-ce que vous avez fait pour que vous méritiez... Quel mal vous avez fait au pays pour que vous méritiez quand même leur pardon. Je suis sincèrement... Pour Elhadj Serrouna, je pense que c'est un secret de Polichinelle. Ils font partie des businessmen de ce pays. Hier, je le disais que ça sortit de la crise politique. Exactement, hier je le disais que tout cela tournait autour de l'argent et finalement ça s'est réglé et ça s'est révélé au grand jour. Dommage. Voilà, dommage. Voilà, enfin l'œil du politiste. Vous savez, à la conférence présidentielle du 21 avril 1961, Kennedy disait que la victoire a 100 pères, mais la défaite est orpheline. Je pense que c'est exactement ce qui est en train d'arriver. Moli m'a décrit ce qui était sa part de vérité. Pauvre Alpha Condé, tout simplement. On se rend bien compte que dans tout ça, c'est Alpha qui s'est fait avoir. Ce sont des leçons de vie, tout simplement. Absolument. Que ce soit Moli ou que ce soit Elhadj Serrouna, c'est tout simplement des political persuadeurs et c'est partout cela. Je pense que c'est normal que des gens... Parce que la politique, c'est une activité en temps normal. Et ça... Une activité lucrative. Absolument, absolument. Bien entendu. Et il y en a bien, Alpha Condé était un bon professionnel de la politique. Je pense que ça apprendra à tous ceux qui sont aujourd'hui... de faire attention à cette chose-là. Voilà. Faites attention à la politique parce que qui s'y frotte, s'y pique. C'est comme ça qu'on clôture cette semaine. Voilà, grand merci à vous tous qui nous avez suivis depuis le début de la semaine. Merci aussi à Mamadou Oury, qui a assuré l'intermède. Grand merci à toute l'équipe. Merci à nos équipes, à la régie, à la transmission. Ibrahim Baben Diallo, Khalil Lawada, Ibrahim Assila, Tidiane Kamara et notre CM aussi, Oury Abdoulaye, qui donc tous les 5 qui étaient présents le long de la semaine. Demain, vous serez avec, si je m'abuse, avec l'Amazon. Je ne sais pas trop quel est le programme. Voilà, en tout cas, c'est Mirador Mix que vous allez retrouver demain. Nous, on se reprend lundi. Bon week-end par anticipation. En ce mois, saint de Ramadan. Au revoir. Vous avez suivi l'émission Film 24. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Barry, Mamadou Oury Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.